Bonsoir à tous. Ouais, c'est tout bon, c'est juste que j'ai arrêté de parler. Donc, appel des membres. Marie-Christine Magnanon. Présent. Éric Philippot. Présent. Ghislaine Savin. Présent. Karim Oumedour. Présent. Jean-Michel Goualard. Présent. Emeline Mekage-Mathieu. Pouvoir donner à Cyril Manin. Cyril Manin. Présent. Fabienne Ménoir. Pouvoir donner à Jean-Michel Goualard. Shérif Héroum. Présent. Sylvie Vercher. Pauline Cabane. Présent. Daniel Jalla. Pouvoir donner à Shérif Héroum. Norbert Grave, Anne Bell, Jacques Rossi, Philippe Lotelier, Catherine Matsaer, Florence Vinan, Vanessa Viau, Vincent Perroux, Sarine Magnette absente, Julien Decorte, Jérôme Botéac, Laurent Chauveau, Chloé Paléré-Caillon, pouvoir donner à Marie-Christine Magnanon, Dorian Plumel, Nicolas Delolly, Démétier Délie, elle est en retard et sortie d'un conseil de classe. Jean-Frédéric Faber, François Couteau-Stévenot, Christophe Roissac, Aurore Desraillot, Karim Bensidamed, Cécile Gillet, Laurent Milazzo, Laurent Lanfray, Françoise Capmal, Patricia Brunel-Maillet. Merci beaucoup. Mise au vote du PV de la, du dernier conseil municipal. Y a-t-il des remarques ? Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté, merci. Désignation du secrétaire de séance. Eh bien, nous allons demander à Madame Aurore Desraillot, étant donné que Demet Yedeli est en retard. C'est parfait. Y a-t-il des oppositions ? Non ? Merci beaucoup. Nous commençons donc par la délibération 1.0. Madame Savin, c'est à vous. Ça y est, c'est bon. Ouais. Bonsoir à toutes et à tous. Modalité de fonctionnement du compte épargne-temps. Les accords signés entre le gouvernement avec les organisations syndicales ont contribué à modifier profondément le régime du compte épargne-temps. Initialement géré sous forme de congé, le compte épargne-temps peut aussi constituer un instrument en faveur du pouvoir d'achat, en mettant en place un régime combinant une sortie en temps, en argent et en épargne retraite. Il appartient à la collectivité de déterminer les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture, ainsi que les modalités d'utilisation du compte épargne-temps. Le dispositif CET existe au sein de la ville, cependant les agents ne disposent pas de la possibilité de demander la compensation des jours épargnés par paiement forfaitaire ou pris en compte au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique pour les fonctionnaires. Ce dispositif est différent de celui adopté à Montélimar Agglomération, où les agents disposent de la possibilité de se voir rémunérer les jours non pris. Et dans un souci d'équité, il est proposé d'aligner le dispositif de la ville sur celui de l'agglomération. Les conditions de fonctionnement du CET sont fixées dans la présente délibération. Le montant de la compensation financière est fixé de manière réglementaire. Les montants en vigueur sont de 75 euros par jour épargné pour les agents de catégorie C, 90 euros pour les agents de catégorie B et 135 euros pour les agents de catégorie A. Avez-vous des questions ou des remarques ? Il ne semble pas n'avoir de remarques. C'était à préciser, cette délibération me paraissait importante par rapport à la gestion de notre personnel municipal, car ce qui vient d'être proposé et qui passera au vote est déjà en application au niveau de l'agglomération. C'était donc important pour nous aussi de permettre de répondre à cette attente de la part des agents. Oui, je laisserai la parole juste après, M. Milazzo. À toute fin utile et pour un petit point de précis, pour préciser dans la délibération, ce n'est pas marqué, vous étonnez pas, ceci, la date butoir, parce que ça avait été posé en question au niveau de la commission, sera jusqu'au 15. Madame Yedeli. C'est juste là. La date butoir pour utiliser et donner son choix, c'est jusqu'au 15 janvier. Pourquoi le 15 janvier ? Parce que ça nous permet de pouvoir être affecté sur le budget de l'année passée. C'est-à-dire qu'on ne soit pas obligé d'avoir des conséquences budgétaires sur l'année d'après, étant donné qu'on vote les budgets en décembre
Maintenant, ça aura toujours intérêt. Donc, ils auront jusqu'au 15 janvier pour pouvoir donner leur réponse. Pourquoi le 15 janvier et non pas au 31 décembre ? Pour des raisons qui sont assez simples pour certains services, comme je pense à l'événementiel ou à la voirie, où parfois on peut avoir un surplus d'activité sur la fin d'année. Par exemple, la voirie, s'il devait avoir des problèmes de la neige ou quelque chose de particulier, s'il devait se retrouver pour ne pas se retrouver bloqué. Voilà. Donc, Madame Yedeli vient d'arriver au Conseil. Y a-t-il d'autres questions ? Monsieur Milazzo, c'est à vous. Bonsoir, Monsieur le maire, mesdames, messieurs, mes collègues. Alors, j'aurais quelques questions. Quel est l'avis du comité technique, s'il vous plaît ? Quel est l'avis du comité technique ? Donc, un avis favorable à l'unanimité. D'accord. En page 2 de la délibération, c'est marqué le report des jours de RTT. Et donc, c'est écrit récupération du temps de travail. C'est bien récupération ou c'est réduction du temps de travail ? D'accord. Bon, RTT. D'accord. Et par contre, les montants qui ont été annoncés par Mme Samen ne sont pas dans la délibération. D'accord. C'est forfaitaire, voilà. Merci. Y a-t-il d'autres questions ? Non ? Très bien. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Délibération 1.01. Norbert Graff, c'est à vous. Merci, Madame Savin. Bonsoir à toutes et à tous. Présenter le rapport d'orientation budgétaire constitue la première étape du cycle budgétaire annuel. Il permet de discuter des orientations budgétaires et de vous informer sur la situation financière. Il s'appuie sur un rapport qui doit préciser les orientations budgétaires pour l'année à venir, les engagements pluriannuels envisagés et les choix en matière de gestion de la dette. Je vais donc vous faire une synthèse du rapport que vous avez tous reçu. Concernant le contexte économique et budgétaire, l'État prévoit dans son projet de budget une reprise avec une croissance économique de 6%. L'État prévoit également un retour de l'inflation, plus 1,5% en 2022, qui pourrait peser sur les dépenses des collectivités, mais également favoriser une revalorisation importante des valeurs locatives, probablement supérieure à 2% en 2022. Sur le plan budgétaire, la dette publique en hausse de 275 milliards en 2020, compte tenu des mesures d'aide liées à la crise, resterait durablement élevée. Le remboursement de la dette Covid doit débuter en 2022 et se poursuivre sur 20 ans. Pour cela, 6% de la croissance annuelle des ressources de l'État seront affectées à son remboursement. Pour l'instant, les collectivités ne sont pas mises à contribution pour le remboursement de cette dette. Concernant la situation financière du budget général en fin 2021, la santé financière d'une collectivité est analysée essentiellement sur sa capacité à rembourser son encours de dette et à investir par les marges dégagées de la section de fonctionnement. Fin 2021, l'épargne brute dégagée devrait être sensiblement identique à celle d'avant-crise. Cette épargne a permis de rembourser la dette à hauteur de 3,6 millions et de participer au financement des investissements. Les investissements en 2021 devaient être de l'ordre de 12,8 millions d'euros, financés sans appel à de nouveaux emprunts. L'encours de la dette par habitant est donc en baisse de 12,6%. Concernant les orientations 2022, le budget 2022 devra traduire les orientations suivantes. La stabilité des impôts locaux, la maîtrise des coûts de fonctionnement pour préserver la capacité d'autofinancement, la poursuite d'un programme d'investissement visant la modernisation et l'amélioration du patrimoine communal et des services aux habitants, la recherche de financement extérieur pour optimiser les ressources de la commune. Le projet qui sera proposé s'appuiera sur un budget réaliste avec un objectif d'optimisation des dépenses pour financer les investissements nécessaires au développement de la ville. Néanmoins, un certain nombre de dépenses s'imposent à nous avec les constats suivants. Un patrimoine bâti très dégradé, conséquence d'un sous-investissement chronique dans l'entretien des bâtiments publics. Une flotte de véhicules vétustes dont l'âge moyen est de 11 ans. Des services sous-dotés
en moyens humains ne permettant pas d'accomplir correctement les missions qui leur sont dévolues. Cette situation impliquera non seulement un effet de rattrapage, mais aussi un surcoût en termes de réhabilitation, avec un impact non négligeable sur les finances de la ville. En 2021, nous avons rénové et réparé. En 2029, nous finaliserons la réorganisation des services. Les recettes de fonctionnement reposent majoritairement sur les recettes fiscales. Elles représentent 75% du total des autres recettes, proviennent des dotations et participations et des produits des services. Pour 2022, les recettes de fonctionnement sont estimées à environ 39,4 millions d'euros, soit 0,7% par rapport à 2021. Les dépenses, quant à elles, sont estimées à ce stade de la préparation du budget à 34,5 millions, soit une hausse de 0,2% par rapport à 2021, soit un niveau très faible. L'idée étant non pas de reconduire automatiquement les dépenses de l'année précédente, mais de les affecter aux besoins et priorités. 20,7% de ce budget sera consacré à la propreté, à la gestion des espaces verts, à l'éclairage public et à l'entretien de la voirie. Un budget supplémentaire de 1,4 est affecté en 2022 à ce poste afin d'améliorer le cadre de vie des habitants. Le budget enseignement et formation sera en hausse de 1,8% pour la gestion de nos écoles. La sécurité reste une priorité avec environ 4,4 millions de prévus en hausse de 3,5%, avec notamment l'embauche de deux nouveaux policiers afin de garantir la sécurité de tous. Il est également prévu le soutien financier au centre de secours pour un montant de 1,776 millions d'euros, soit une hausse de 5% par rapport à 2021. Le budget solidarité et santé sera en hausse de 7,1%, avec notamment le soutien financier au CCAS, la retraite active, les actions découlant du constat du contrat de ville, le fonctionnement du centre municipal de santé et les centres sociaux. Des embauches sont prévues pour étoffer le CCAS et les centres sociaux. La nomination de référents famille et jeunesse sur chaque structure va permettre de travailler plus efficacement sur la parentalité et la jeunesse. Il est également prévu un travail autour des jardins partagés pour développer le lien social et l'accompagnement social des familles. Pour finir, le budget sport et culture est estimé à 1,9 million avec la gestion du musée de la ville, de l'espace Chabriand, de la gestion des stades, des tennis et de l'aide aux associations. L'action sportive est en cours de développement avec notamment sur l'exercice 2021 la mise en place de nouveaux projets comme par exemple la belle Terre de Jeux 2024. Cette dynamique va se poursuivre en 2022. Il est à noter qu'une grande partie des équipements culturels et sportifs dépendent de l'agglomération. Cette dernière y consacre un budget de plus de 7,4 millions d'euros. Pour les dépenses d'investissement, elles sont estimées à 10,8 millions pour 2022. Il est notamment prévu la tranche 2 de l'aménagement du centre-ville avec la requalification des portions hautes et basses de la rue Pierre-Julien et de la rue Roger-Poyol. L'aménagement urbain, les Grèzes, avec la requalification du chemin rue et carrefour des Grèzes. L'aménagement urbain, rue Paul-Loubet, avec la requalification des rues Léon Blum, Paul-Loubet, Olivier de Serres et des carrefours du Vox et de la Gare. Le développement de la vidéoprotection des quartiers, le programme d'entretien des écoles, la création de pistes cyclables, le programme d'accessibilité des bâtiments publics, un programme de renouvellement des véhicules. Concernant les budgets annexes, tout d'abord le budget annexe du stationnement. Ce budget est financé par les recettes de stationnement payées par les usagers et complété par une subvention d'équilibre du budget général. Depuis 2016, nous pouvons constater une baisse chronique des recettes de stationnement liées à la vétusté du matériel et à l'absence des mesures prises sur le renouvellement du matériel. En 2020 et 2021, le niveau des recettes a été perturbé par la crise sanitaire. Néanmoins, depuis la fin des travaux de modernisation du matériel que nous avons décidé pour un montant de 800 000 euros, il a été constaté une hausse significative des rotations, ce qui laisse présager, toutes choses étant égales par ailleurs, une hausse des recettes sur le dernier semestre de l'année et des années suivantes.
Par conséquent, pour 2022, les droits de stationnement ont été estimés à 930 000 euros, avec une hypothèse de retour à une activité non contrainte par le virus. Elles permettront de financer les dépenses de fonctionnement, qui sont en baisse de 9,3%, et de diminuer de moitié la subvention d'équilibre, passant ainsi de 710 à 357 000 euros. L'objectif étant de réduire, voire supprimer à terme, la subvention d'équilibre. Pour finir, le budget annexe de l'eau, la ville a confié la gestion de distribution d'eau potable à la SOR, une partie du prix payé par les usagers va aux délégataires et l'autre à la ville, pour financer les investissements de création et d'entretien des réseaux. La part de la redevance revenant à la ville n'augmentera pas en 2022. Baldeville va donc continuer à investir pour moderniser son réseau et améliorer la préservation de la ressource en eau, avec 2,9 millions de travaux programmés en 2022. Merci. Merci beaucoup, M. Graham. Avez-vous des questions, des remarques ? Allez-y, M. Rossac. Bonsoir, Monsieur le maire, chers collègues. Je fais une petite intervention qui sera immédiatement suivie par Mme Desraillot. Donc voilà, nous constatons, suite à cet exposé, que l'épargne reste à un niveau correct, que la dette par habitant est en forte baisse, donc ce qui est bien. Vous prévoyez, entre autres, des aménagements urbains plus qu'utiles, un réel programme d'entretien des écoles, la création de pistes cyclables et le renouvellement des voiries. Vous constatez que le bâti est très dégradé. Personnellement, nous faisons le même constat dans les écoles. Le manque d'employés qui crée un problème humain pour accomplir les missions. Nous déplorons cependant l'absence d'un plan de déplacement urbain digne de ce nom pour une vision globale des flux de circulation, une hiérarchie des priorités et une anticipation des conséquences des aménagements. Et je passe la parole à Mme Desraillot. Bonsoir à toutes et tous. Effectivement, le rapport que vous nous présentez, au regard des dépenses, je me permettrai effectivement de rebondir au regard des dépenses de fonctionnement et d'équipement pour 2022 concernant la sécurité, la solidarité ainsi que la santé. Une hausse du budget solidarité et santé de 7,1% est effectivement prévue, comme vous l'avez dit, avec notamment la prévision d'embauche pour le CCAS et les centres sociaux, les actions découlant du contrat de ville, la nomination de référents famille et jeunesse, la prévision d'un travail autour des jardins partagés pour développer le lien social et l'accompagnement social des familles. Ces éléments vont dans le bon sens. Toutefois, nous resterons vigilants et vigilantes quant à leur mise en œuvre, cela restant des prévisions dont il faudra analyser notamment les sommes dédiées lors du vote du budget pour 2022. Particulièrement, concernant les actions découlant du contrat de ville, comme ce dernier est prorogé jusqu'en 2022 et qu'à notre connaissance, il n'y a pas de volonté du gouvernement de le reconduire, il serait intéressant de redynamiser notamment les conseils de citoyens des quartiers prioritaires par l'attribution d'un budget participatif, car la date de demande de subvention dans le cadre des appels à projets du contrat de ville est clôturée. Cette somme permettrait de pérenniser ces conseils afin qu'ils ne deviennent pas lettre morte. Cela permettrait également de rééquilibrer un peu le pourcentage de dépenses allouées à ce budget au regard de celui dédié à la sécurité qui représente 12,7% des dépenses de fonctionnement. De plus, nous observons une fois encore le développement de la vidéosurveillance et non de protection des quartiers pour 1 million d'euros, dont 200 000 en 2022. Que la sécurité soit votre priorité, c'est une chose, mais pas au détriment d'une véritable cohésion et solidarité entre les habitants et les habitantes de la ville que les caméras ne permettront pas d'établir. Merci. Merci beaucoup. Peut-être d'autres remarques ? Monsieur Lanfray, c'est à vous, et comme ça je pourrai répondre de façon globale à la suite. Merci beaucoup. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, au préalable, monsieur le maire, je suis un peu embêté avant de prendre la parole sur ces DOB, puisque j'ai assisté hier à 17h pour notre groupe à la commission Finances et Affaires Générales et j'ai posé un certain nombre de questions techniques. J'ai demandé à un certain nombre de chiffres.
J'ai obtenu certaines réponses. Pour les autres, il m'a été dit que ces éléments chiffrés me seraient communiqués dans la journée. Je ne les ai pas eus. J'ai retrouvé certains chiffres par moi-même, mais pour la plupart de mes demandes, je suis bien embêté parce que je n'ai pas eu ces éléments chiffrés-là. Or, c'était tout de même de nature à influencer ce que j'allais vous dire ce soir. Donc, je suis un peu enquiquiné, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc, je ne sais pas par rapport à ça. Je peux peut-être vous répondre par rapport à ça. Il n'y a aucun souci. Bon, j'ose croire que vous travaillez avant la veille, quand même, sur les dossiers, pour répondre à la première question. La deuxième, c'est, je comptais vous faire un petit point par rapport à ça, mais plutôt en fin de conseil, concernant le règlement. Parce que c'est assez important. Donc, si vous le souhaitez, je peux vous rappeler le règlement. Je vais vous en faire donc lecture. Pour rappel, l'article L2121-22 du Code général des collectivités prévoit la possibilité pour le conseil municipal de créer en leur sein des commissions permanentes pour l'examen des affaires soumises à délibération, de fixer le nombre de membres de chaque commission et de désigner les conseillers qui y siègent à la représentation proportionnelle. Sauf disposition y dérogeant expressément ou sauf le cas de la suppression d'une commission, le mandat des membres des commissions ne prend fin en principe qu'en même temps que celui du conseiller municipal. Ainsi, et selon les dispositions précitées, le conseil municipal de Montémar a donc créé 10 commissions permanentes et désigné leurs membres, dont Mme Patricia Brunel-Maillet au sein de la commission Affaires générales. Or, il semblerait que lors de la tenue de cette commission dont vous nous parlez du 15 novembre dernier, Mme Patricia Brunel-Maillet était absente, non excusée, a été remplacée par vous-même. Je me permets donc de rappeler aux conseils municipaux que la désignation des membres des commissions relève de la seule prérogative du conseil municipal et que par votre conséquence, les élus n'ont pas le pouvoir de passer outre cette décision modifiant la composition. Grosso modo, si Mme Brunel-Maillet était absente, nous avons eu, et parce que c'est réellement notre volonté, le fait de vous laisser entrer et poser des questions, c'était à mon avis un vrai signe de notre ouverture. Les réponses qui justifiaient d'un point de vue technique vous ont été apportées directement. Vous avez posé des questions qui étaient sur le passé. Et donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, la question est de savoir si vous avez des questions précises en absence de Mme Brunel-Maillet. Il suffit juste de me les envoyer, je pourrai vous y répondre directement. Donc, s'il y a des soucis par rapport à la méthode, il n'y a aucun souci. Si vous souhaitez démissionner Mme Brunel-Maillet de la commission Affaires générales, je peux tout à fait l'entendre. On fera votre remplacement par M. Lanfray. C'est vous qui choisissez, M. Lanfray, si vous souhaitez vous substituer ou pas, Mme Brunel-Maillet. Alors, une chose, alors, Monsieur le maire, c'est que Mme Brunel-Maillet s'est excusée. Elle tenait à ce que ce soit rappelé. Elle était excusée pour son absence à la commission. Je vous prie de m'excuser. C'est un, pas écrit, et deux, pas précisé que vous étiez remplacé. Ah, d'accord. Ben, je ferai remonter. Mais dans tous les cas, si vous aviez des questions précises, semble-t-il, et si importantes pour votre prise de parole, moins de 24 heures après, je pense que vous auriez pu nous les envoyer. Vous y aurez répondu, bien évidemment, comme nous faisons à chaque fois. Néanmoins, je vous laisse la parole. Si vous pensez que vous n'avez pas eu toutes les infos dans le rapport le NEOB, je vais y répondre bien volontiers. J'entends ce que vous venez de m'exposer, monsieur le maire. Donc, ce n'est pas nous qui fixons le calendrier des commissions, mais bien vous. C'est bien vous qui l'avez fixé la veille. J'en suis pas responsable. Effectivement, les commissions étant faites pour poser des questions techniques, je suis venu en commission au nom de notre groupe pour poser des questions techniques. Je n'ose croire qu'un ancien DGA, un ancien collaborateur d'un président d'agglomération, d'un maire de Montréal, directeur de cabinet, ne sait pas lire un règlement qui lui-même l'a co-rédigé à l'époque. Donc, vous nous avez fait, me semble-t-il, dans le passé, des rappels au règlement de façon assez insistante. Je vous dis simplement, si vous avez des questions précises, semble-t-il qu'elles soient si pertinentes que vous n'avez pas pu les poser avant et vous en êtes rendu compte la veille pour le conseil le lendemain, je vous invite à me les envoyer et si besoin, je vous y répondrai par écrit. Il n'y a aucun souci. Vous savez, moi, je suis plutôt... J'allais dire, on a fait plutôt bon signe dès qu'on m'a averti que vous étiez venu pour remplacer alors que vous n'y aviez pas le droit. J'ai tout de suite donné mon accord en disant oui, bien évidemment, il peut y répondre. C'est peut-être un signe que Mme Brunel-Maillet souhaite être remplacée. Laissez M. Lanfray pouvoir y répondre et répondez à toutes les questions qui y sont. Donc, vous avez bien eu les réponses à vos différentes questions. Après, c'était des questions de chiffres, je crois, qui sont en ligne en plus, pour partie. C'était effectivement des demandes chiffrées que j'avais. Je n'entends pas, évidemment, aller à l'encontre du règlement. Donc, peut-être qu'un mail ce matin me rappelant cette règle déjà aurait
été une bonne chose, puisque j'aurais pu, du coup, effectivement, par la voix de Patricia Brunel-Maillet, vous demander ces informations et donc vous les auriez à leur communiquer. Je rappelle quand même que l'objectif d'une commission, c'est bien de régler les questions techniques pour laisser la place au débat politique en conseil. Mais ceci étant, rien n'empêche en conseil de poser des questions techniques. Donc, je vais vous poser ces questions techniques-là. Je souhaiterais pouvoir avoir communication de ces éléments-là. Je demanderai alors, au nom de notre groupe, une suspension de séance de 10 minutes pour que nous puissions échanger sur ces éléments techniques, puisque nous ne l'avons pas eu. Et à ce moment-là, je pourrais prendre la parole. Mais j'entends le règlement, rien que le règlement, OK. J'ai effectivement pas de remarques à faire là-dessus. Je trouve cette rigidité un peu dommage, mais vous avez raison, la loi est la loi, et c'est du relais de cette lex. Pour autant, quand nous n'aurons pas l'opportunité de pouvoir poser des questions en commission technique et lorsque nous n'aurons pas les réponses, je suis désolé, mais nous les apporterons donc en conseil municipal. Donc, puis-je vous lister les questions techniques qui étaient les miennes et les demandes chiffres qui étaient... Non, on va essayer d'être un minimum sérieux. On va essayer de penser à l'intérêt collectif et à l'avenir de notre ville. Vous essayez toujours de chicaner, que ce soit tant au municipal qu'à l'agglo. Essayons de voir l'intérêt général au-delà. Arrêtez de venir chercher tout le temps la petite bête ou d'essayer de faire une polémique, de trouver une petite phrase qui va être relevée par la presse. Essayez de penser à l'intérêt collectif. Vous êtes en train d'avoir un DOB avec des documents que vous connaissez. La mandature précédente, vous avez suffisamment de contacts avec celle-ci pour pouvoir avoir eu toutes les infos qui me paraissent être essentielles. Il n'y a pas de restriction au niveau de l'info. Vous avez eu toutes les données entre celles que vous avez dans le DOB, puis l'audit que vous avez eu aussi. Vous avez l'ensemble des demandes. Franchement, essayez de grandir, essayons d'aller de l'avant. Vous voyez ce que je veux dire ? Arrêtez de toujours essayer de chicaner, d'aller chercher ce qui ne va pas, essayer de nous donner du fond, voilà, plutôt que d'essayer d'aller chercher inutilement une petite bête, essayez d'aller de l'avant. Ensuite, pour ce qui est de laisser l'accès, si j'étais vraiment sur une lecture purement du règlement, vous n'auriez pas eu accès à la salle. Ils ne vous auraient pas laissé entrer, ils ne vous auraient pas parlé, ils ne vous auraient pas répondu à vos questions. Donc, je veux dire, un moment, voilà, essayons d'aller de l'avant. Après, c'est votre choix. C'est votre façon de vouloir faire de la politique, tant pis pour les Montiliens. Et pour nous, ça nous fera passer un peu plus de temps avec vous dans cette pièce, mais ce n'est pas la fin du monde. Donc, est-ce que vous avez des remarques à faire concernant ce DOB ? Donc, j'entends que vous ne souhaitez pas me communiquer les éléments techniques que j'avais demandés. Donc, je vais... Non, monsieur Lanfray. C'est une vraie habitude de votre part de reprendre mes propos et les changer en plus. Non, ça, c'est la vôtre d'habitude. Je suis en train de vous dire, monsieur Lanfray, tout simplement... Si Madame Brunel-Maillet avait des questions précises à nous poser, elle aurait pu les poser. À défaut de pouvoir venir, elle aurait pu les écrire. Vous n'avez pas dû, sauf erreur de ma part, vous rendre compte pendant la même commission des questions que vous alliez nous poser. Donc, c'est-à-dire, ou sinon, je vous surestime au niveau intellectuel. Franchement, je suis désolé. J'ose croire que vous avez suffisamment d'intelligence et au vu de votre passé, et au vu des postes de responsabilité que vous aviez dans notre collectivité, pu anticiper ce type de questions. Donc maintenant, ou vous avez un débat d'orientation et vous souhaitez le faire, et tant mieux, et on en parle, ou sinon, on passe à la délibération suivante. C'est votre choix. Si vous refusez le débat démocratique, c'est votre choix. Ce n'est pas le mien. Donc, monsieur le maire, j'aimerais pouvoir aller au bout de mon propos, s'il vous plaît. Donc, je note que... Avec grand plaisir, je vous laisse la parole. Allez-y. Je note que les éléments que j'avais demandé ne me seront pas communiqués ce soir. Cela signifie, en ce qui nous concerne, qu'une partie de mon propos ne pourra être tenue, puisque je n'ai pas des éléments techniques pour appuyer ces propos. Je le regrette. Ceci étant, je compte bien m'exprimer au nom du groupe sur ce débat d'orientation budgétaire, mais... Je me permettrai simplement de réitérer une demande, enfin de rappeler quelque chose qui m'a été dit lors de la commission. C'est une commission, c'est fait pour répondre à des questions techniques, et je m'arrêterai là après, parce que le débat n'a pas finalement grand intérêt. Juste vos adjoints, vos élus m'ont tous dit on t'enverra les éléments dans la soirée ou dans la matinée. Si cela n'avait pas été possible, j'aurais juste souhaiter qu'on me le dise, c'est tout. Voilà, ceci étant dit, ce DOB appelle de notre part effectivement un certain nombre de remarques. Je ne pourrai pas toutes les formuler, mais je vais en formuler en tout cas certaines. La première, c'est qu'il est intéressant
de constater que ce débat d'orientation budgétaire coïncide avec la communication de l'audit financier réalisé par KPMG en ce début de mandat. Cet audit financier a le mérite de poser une base simple et, à mon sens... Excusez-moi, monsieur Lanfray. Juste une petite précision. Je crois que vous l'avez vu dans l'ordre du jour qui vous a été communiqué. Si vous souhaitez parler du DOB... excusez-moi. Du DOB, c'est maintenant, mais l'audit, nous avons prévu de le faire dans l'ordre qu'on vous a transmis. C'est relevé des décisions et c'est là où on parle de l'audit. Monsieur le maire, est-ce que je peux aller au bout... Non, mais je me permets simplement pour pas... Monsieur le maire, est-ce parler. Est-ce que je peux aller au bout de mon propos? Vous verrez que... Vous m'avez laissé dire deux phrases. Vous verrez que si je parle de l'audit, c'est qu'il y a une raison et je le mets tout de suite en corrélation avec le DOB. Donc, si vous me permettez, j'aimerais pouvoir poursuivre mon propos sans être interrompu. Donc, cet audit financier mérite de poser une base simple et incontestable. Vous avez hérité d'une situation financière correcte et saine. Sur la maîtrise des charges courantes et des dépenses de personnel, la situation est saine. Sur la maîtrise de la dette, la situation est saine. Sur la capacité d'investissement, la situation est saine. Une fois cette base posée, nous pouvons donc examiner vos orientations budgétaires. Nous retrouvons dans vos propositions pour 2022 de nombreuses choses qui nous satisfont. Une estimation prudente des recettes qui paraît correspondre à la réalité en raison de la crise sanitaire et des décisions nationales avec le quasi-gel de la DGF et la suppression de la taxe d'habitation. Excusez-moi. Un investissement soutenu, ce qui est bon pour notre économie locale. Des dépenses d'équipement qui, pour certaines, nous paraissent répondre aux priorités des Montiliens et que nous aurions d'ailleurs mises en œuvre également si nous avions été à votre place. Je pense à la poursuite des travaux dans le centre-ville pour poursuivre sa redynamisation. Je pense à l'aménagement du quartier des Grès. Je pense à l'aménagement du secteur rue Léon Blum ou rue Paul Loubet. Je pense à l'amélioration des circulations cyclistes sur notre ville. Je pense à l'entretien des voiries et des bâtiments. Et je pense au développement de la vidéoprotection, même si, contrairement à ma collègue du groupe de gauche, nous regrettons que l'investissement annuel soit désormais divisé par deux, avec seulement 200 000 euros au lieu des 400 000 euros qui se pratiquaient auparavant. Finalement, ce qui nous chagrine dans ce débat d'orientation budgétaire, c'est plus votre stratégie financière, c'est plus votre trajectoire financière. À notre avis, vous avez basé votre trajectoire financière sur des prévisions qui nous paraissent irréalistes. Si cela se confirme, ces prévisions irréalistes feront dévier la trajectoire financière vers une dégradation importante des finances de la ville, avec des conséquences fâcheuses pour les Montiliens. Je m'explique. À ce jour, vous n'arrivez pas, et je crains que vous n'arriviez pas à maîtriser les dépenses de fonctionnement courantes, ce qu'on appelle le 0,11. Lors du débat d'orientation budgétaire 2020, vous aviez estimé qu'en 2021, le 0,11 diminuerait de 0,4%. Je me souviens même qu'avec Éric Philippot, vous aviez moqué mon intervention qui consistait à vous dire que vous ne pourriez pas tenir ce chiffre au regard de votre façon de fonctionner et au regard de vos promesses électorales. Force est de constater que j'avais raison, le 0,11 a augmenté de 13%. Pour 2022, vous prévoyez une évolution de 0,5% du 0,11. Mais comment donner du crédit à cette prévision au regard de ce que je viens de vous dire? Cette prévision me paraît d'autant plus irréaliste que sur les 6 dernières années, le 0,11 a augmenté en moyenne de 1,8%, alors qu'il y a 2 années Covid sur cette période, 2 années d'économie forcée. On peut dès lors s'interroger sur la prévision de ne pas dépasser les 1% d'augmentation sur les 4 prochaines années. Et les seules économies d'énergie n'y suffiront pas. Pardon. De la même manière, vous n'arrivez pas à ce jour, et je crains que vous n'arriviez pas, à maîtriser les dépenses de fonctionnement en personnel, ce qu'on appelle le 0,12. Lors du débat d'orientation budgétaire en 2020, vous aviez estimé qu'en 2021, le 0,12 n'augmenterait pas de plus de 1,1%. Il a augmenté de 3,6% avec les chiffres réactualisés donnés hier
par le directeur des ressources humaines. Pour 2022, vous prévoyez une évolution de 3%. En 2021, vous avez augmenté de 5,82 ETP les effectifs. En 2022, vous prévoyez de les augmenter de 7,5 ETP. La tendance n'est donc pas au ralentissement. Alors comment ne pas s'interroger sur votre objectif de ne pas dépasser une augmentation de 1,5% par an sur les 4 prochaines années? Sachant que sur les 6 dernières années, dont 2 années Covid, le 0,12 a augmenté en moyenne de 2,3%. Plus explicite encore, ce même 0,12 a augmenté de 4,9% en 2020, de 3,2% en 2021, de 3% en 2022 en prévision. L'objectif de 1,5% semble bien irréaliste. Le souci, c'est que vos prévisions prudentes concernant les recettes semblent, elles, assez réalistes au regard du contexte. Je n'y reviens pas, je viens de le dire. Dès lors, la trajectoire financière que vous êtes fixée nous semble bien difficile à tenir et les conséquences seront pour les Montiliens. Tout d'abord, si la situation dérape, vous serez alors contraint de serrer la vis pour maîtriser en urgence les dépenses de fonctionnement, en stoppant certaines dépenses pourtant utiles à l'intérêt général, comme vous l'avez fait, par exemple, avec la MJC de Montélimar. Une maîtrise des dépenses dès maintenant éviterait cela. Ensuite, comme l'épargne nette va se dégrader, vous allez perdre de la capacité à investir. Vous n'aurez alors pas d'autre choix que d'endetter la ville et les générations futures et de renoncer à vos engagements. Vos tableaux le montrent. L'année 2022 sera l'année du plus fort investissement du mandat. Au regard des prévisions irréalistes, le niveau d'investissement des années à venir sera sans doute inférieur à ce qui est affiché. Pourtant, de nombreux projets promis manquent encore à l'appel. Des équipements structurants pour améliorer la circulation à Montélimar qui s'est encore dégradée avec votre refus de remettre en double sens le boulevard Meynaud. Des équipements sportifs attendus, hippodrome, Beaulieu, un stade de hockey sur gazon, les tennis. La réfection des places du centre-ville. La réalisation du parc de stationnement à proximité de l'hypercentre, la réhabilitation de l'auditorium, la valorisation de l'espace municipal des Carmes, etc., etc. Une maîtrise des dépenses, dès maintenant, éviterait bien des déceptions et éviterait un endettement inutile. Enfin, dernière conséquence fâcheuse du manque de maîtrise des dépenses de fonctionnement couplée à des recettes en perte de dynamisme. C'est la nécessité de combler le fossé qui se creuse en ayant recours à l'augmentation de la fiscalité. Augmenter les impôts comme solution de facilité. Vous n'avez pas hésité à le faire à l'agglo, et même très fortement pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, malgré votre promesse électorale. Comme vous avez renié votre promesse électorale dès votre première année à l'agglo, nous avons des raisons de craindre que vous n'aurez que peu de remords à le faire également à la ville, au détriment du pouvoir d'achat des Montiliens. Ainsi, monsieur le maire, nous vous invitons à réduire le train de vie de la ville afin de garder des capacités d'agir efficacement sur les priorités des Montiliens, la sécurité, la santé, le cadre de vie avec les mobilités, l'environnement et le pouvoir d'achat. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur Lanfray. Je vais répondre donc dans l'ordre des remarques. Donc, pour le groupe Plus Belle Ma Ville, oui, on partage la même analyse, et vous avez raison, et je vous en remercie d'avoir mis en avant les réformes qui étaient les volontés de notre budget de mettre en avant ces investissements. Vous avez parlé tout à l'heure du PDU, c'est de la compétence de l'agglo. Ça sera bien prévu de pouvoir le mettre dedans. Il n'y a pas de souci par rapport à cela. Pour la question, et je vais vous y répondre aussi sur le point de vue social, vous avez raison, il y avait urgence. Il faut quand même se donner juste un chiffre, et ça, c'est important, et ça parle dans son ensemble. Je parlerai bien de l'audit tout à l'heure, parce qu'il ne faut pas tout mélanger, il faut vraiment qu'on soit tourné vers l'avenir. Au jour d'aujourd'hui, la situation qu'on récupère au niveau du social, c'est l'équivalent de 2 temps plein, c'est l'équivalent des moyens que consacre Puy Saint-Martin à son CCAS. Ça vous donne un petit peu les vrais choix qui ont été faits dans le passé, qui ont été réellement de diminuer certaines choses, et où à un moment, eh ben, ça craque de tous les côtés. Donc, c'est pour ça que ces problématiques, on les a retenues. Sur les moyens de demander la police municipale, oui, c'est une réelle volonté parce qu'il y a une demande et il y a un moyen.
et ce qui va dans la même cohérence que ce que je vous demanderai tout à l'heure. Je vous ai présenté un vœu concernant les effectifs de la police nationale. Oui, on est là pour être dans la complémentarité, mais pas de la subsidiarité. Il faut savoir adapter nos forces. Vous me l'aviez encore rappelé au dernier conseil municipal. Vous avez pu voir que ça a été tenu, et je vous l'avais dit, et nous le faisons, c'est une augmentation des moyens humains, tant au niveau de la police municipale, qui aura aussi que la coordination nécessaire pour ce qui sera au niveau du dialogue. Enfin, monsieur Lanfray, attendez, c'est bon, j'ai fini ça. Oui, mais j'irai un peu plus loin aussi, madame Derrieux, concernant les documents administratifs qui nous manquent. Parce que vous parlez du PDU, mais on a un nombre important de documents qui n'ont pas été traités. C'est-à-dire, pour les mener avec, c'est aussi des documents de l'agglo, mais ça donne une globalité de la gestion dans laquelle nous sommes. Le PLU, le PLH, le PCAET, le PDU dont on vient de parler, le schéma directeur cyclable aussi, qui est indispensable, le schéma directeur des moyens des produits d'énergie renouvelable. Il y a aussi le décret tertiaire sur nos bâtiments, et ça, c'est aussi important d'en parler. C'est-à-dire que, et ça fera écho à vos remarques, monsieur Lanfray, quand vous parlez des frais dedans, ben c'est vrai que quand on reçoit une mairie, avec une catégorie où tous nos bâtiments sont catégorie F, eh bien oui, il y a des investissements à devoir faire dessus. Quand vous nous parlez, et je vous en remercie, et c'est là où ça fait écho à votre expérience que vous avez pu avoir dans la collectivité, et que vous nous décrivez un petit peu le tableau dans lequel vous nous mettez très sombre, ça me fait écho au rapport de la Cour des comptes qui a pu être en 2014. C'est-à-dire que je veux bien entendre plein de choses, je veux bien entendre certaines craintes, et perspective très très négative de votre part. J'allais dire, c'est peut-être juste un rôle politique, mais n'oubliez jamais quand même où était la ville en 2014, une épargne négative nette. Je pense pas qu'on soit dans ces perspectives. Vous-même, vous nous avez accrédité sur les chiffres, de nous prouver que nous étions prudents, et je vous en remercie. Au moins pour ce cas-là, on est d'accord. Nous sommes des gens sérieux, où nous mettons les recettes dans une bonne mesure, nous mettons un aléa qui peut faire que les recettes ne seraient pas bonnes. Mais voilà, je veux dire, n'oublions pas quand même d'où vous êtes parti. 2014, une épargne nette négative, ce n'est pas très bon signe. Si on doit reprendre aussi l'audit, je peux vous faire parvenir, si vous avez besoin de documents, le rapport de la Cour régionale des comptes qui montrait à quel point c'était alarmant. Et à partir de ce moment-là, il y a eu, et c'est ceci qui a des conséquences aujourd'hui, c'est-à-dire que la facilité, vous l'avez dit, ça a été de couper dans les effectifs de la mairie. Quand vous supprimez tout d'un coup 20 contrats au sein de la mairie, entre 2015 et 2016, parce que la situation, et je suis désolé de le préciser, n'était pas héritée, c'est-à-dire que c'était la même majorité qui était en place depuis 2002, donc ce sont les conséquences de ces choix politiques. Qu'en 2015, vous êtes obligé de supprimer 20 postes. Il y a deux questions qui se posent. Où il y avait des emplois qui étaient, allez, peu utilisés, voire factices, parce que si vous pouvez supprimer 20 postes d'un coup, ça me paraît beaucoup, mais moi, ce n'est pas ce que je pense. Je pense que vous aviez tellement mal maîtrisé que tout d'un coup, il a fallu taper très fort et diminuer les embauches. Donc, une fois qu'il y a moins 20 postes, eh bien, à un moment, on peut tenir, on peut demander aux agents de tenir pendant un trimestre, pendant un semestre, allez, un an, deux ans. Et à un moment, ça commence à craquer de tous les côtés. Et c'est ce qu'on a. Et ça se voit dans vos chiffres. C'est-à-dire que vous nous parlez de la hausse du personnel, le 0,12. Plus 7% en 2019, entre 2018 et 2019. 7%, ce n'est pas les 3% d'aujourd'hui. C'était pas notre majorité. Le plus 7, c'est parce que c'était en train de craquer de partout. Donc à un moment, c'est bien ce type de souci, ce défaut de gestion, qui nous fait avoir notre responsabilité. C'est-à-dire que quand il y a des soucis, il faut les prendre à bras le corps, il faut les assumer. Vous avez parlé, M. Roissac, tout à l'heure, des investissements dans les écoles. C'est clair, il y a une vraie différence, et on peut en parler aujourd'hui. C'est une réelle volonté de notre part de faire des investissements qui soient rentables demain. C'est-à-dire que quand vous mettez, et c'est un choix, qui était de l'ancienne majorité. Mais notre choix, il est différent. Notre choix, c'est de faire les vrais bons investissements. Je préfère refaire une toiture à 120 000 euros et déclencher une garantie décennale que de continuer à mettre sur les 6 dernières années l'équivalent de 30 000 euros. Ben oui, c'est un vrai choix. Quand je vois la flotte automobile qu'a la mairie de Montélimar, est-ce que vous savez, M. Lanfray, l'âge moyen des flottes? On m'a dit hier, mais je ne suis pas censé l'avoir entendu parce que je n'étais pas censé être là, mais que c'était 11 ans. C'était 11 ans. Ben, semble-t-il, alors, vous voyez, ce qui me rassure quand même, quand je vois votre prise de parole, il ne doit pas manquer beaucoup d'éléments quand même pour que vous ayez pu prendre autant de paroles tout à l'heure. Néanmoins, c'est 11. C'est juste marqué dans le rapport. Hein. C'est pas 11. Si je prends... Donc, ce n'était pas une question que vous avez posée, donc ce n'est pas une réponse. Arrêtez, je vais remettre en question votre honnêteté. Question très simple. Je vais vous les donner, moi. La flotte automobile pour la voirie, c'est 13 ans, M. Lanfray.
125 000 km. Mais ce n'est pas le pire. L'espace vert, 14 ans de moyenne les véhicules, 130 000 euros. Ah donc oui, donc après on peut donner des leçons. On peut expliquer, on ne dépense pas, c'est très bien, mais on met une mairie dans un écart où tout craque. Un exemple tout simple, pour rester chez la voirie, parce que ça va dans l'écho de ce que vous disiez, de la qualité, et nous en sommes d'accord auprès de nos administrés, d'avoir une ville de qualité. Sur 4 engins dont dispose notre mairie, 2 ont plus de 19 ans. Très bien, 19 ans, ça me paraît être commencé à faire beaucoup. Mais surtout, je regarde de façon rationnelle et comptable. Un tracteur, ça vaut 120 000 euros. Est-ce que vous savez la moyenne que vous avez dépensée dans les 6 dernières années sur les entretiens de ces mêmes véhicules ? 35 000 euros par an. Je vous dis simplement, voilà, ça peut paraître une bonne gestion, mais là, je suis désolé, mais ce n'est pas notre choix. Notre choix, c'est de prendre nos responsabilités, de faire les vrais investissements au vrai moment où nous devons les faire. Quand vous laissez une mairie, la mairie annexe, obligée de mettre des étaux pour tenir entre le deuxième et le troisième. Je suis désolé, un parquet, ça ne se dégrade pas en un an. Donc, c'est vrai que c'est un vrai souci à partir de ce moment-là. Donc, un moment, je veux bien entendre plein de choses, mais j'aimerais qu'il y ait au moins un minimum d'honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire, arrêtez de venir nous chercher sur des remarques, sur des choses, sinon, moi, je pourrais tout à fait, on en parlera au moment de l'audit, c'est que nous sommes tournés vers une réelle volonté de reprendre et de mettre de la dynamique dans notre centre-ville, dans une volonté de reprendre notre ville, d'aller de l'avant. Vous parliez des routes. Oui, c'est clair, quand je regarde le nombre de routes que nous avons à refaire cette année, c'est clair, on parle de routes où il y a 15 000 véhicules jour. Vous parlez du rond-point, je vous ferai parvenir, pour faire écho à cela, le rapport des conséquences sur le rond-point Kennedy. Au prochain conseil municipal, je vous ferai parvenir ce rapport, qui, à mon avis, est encore parfait, parce qu'il y a le souci du pont de Rochemort qui n'est pas encore ouvert, mais je vous le ferai parvenir, il n'y a aucun souci. Après, il faut réellement regarder vers l'avant. Vous me parlez de frais de personnel. Ayez au moins l'honnêteté intellectuelle, et votre passé professionnel, à mon avis, aurait pu vous le faire. Quand vous savez qu'il y a la GVT, le PPCR qui arrive, ça nous impacte pour 250 000 euros directement. L'impact du CMS, c'est aussi 270 000 euros. Sur 507 000 euros, vous avez déjà, à ce moment-là, les 450, vous avez plus que les 500 000 qui augmentent. Regardez plutôt les choses positives, les subventions que nous sommes allés chercher, les 230 000 euros pour pouvoir permettre, et j'en remercie les services, Madame Maréchal en l'occurrence, mais aussi mon déjà spécifique Nicolas Méhou sur ces questions-là, où nous sommes allés chercher directement. Donc, moi, je veux bien entendre qu'on parle des bâtiments, la vidéoprotection, où on fait une remarque en disant qu'on divise par deux les montants, il n'y a aucun souci. Je peux l'entendre. Mais la vraie différence, c'est que nous avons fait l'investissement de rénover le tiers de caméra qui ne marchait pas. C'est ça. Donc maintenant, on augmente, mais on a une vraie socle. C'est peut-être la différence entre faire des annonces et le fait de travailler de façon cohérente. Quand vous me parlez des bâtiments, ayez au moins l'honnêteté de voir que les bâtiments, c'est des passoires thermiques. Avouez-le. Je veux dire, eh ben nous assumons. Quand je vois les écoles, quand nous avons réuni les directeurs d'école pas plus tard que la semaine dernière, eh bien oui, ils sont conscients, il y a un vrai problème. Quand il y a les cours de récréation qui n'ont jamais été refaits, les racines, ça pousse pas un an. Eh bien, nous l'assumons, et je remercie Pauline Cabanne d'aller dans ce sens-là, de reprendre le dialogue, d'expliquer que malheureusement, il y a beaucoup de travail, que nous devons le reprendre, qu'il y a eu un certain nombre d'années avec une volonté de gestion qui n'est pas la nôtre, et donc nous devons aller de l'avant et le traiter. Je vois aussi, vous essayez de dévier des problèmes qui n'en sont pas. Vous parlez d'associations. Il n'y a pas de souci. Notre budget au niveau des associations, je n'ai pas à en rougir. Je l'avoue, on est dans un budget qui me paraît tout à fait cohérent pour notre vie associative. Nous sommes dedans. Après, il y a des règles. Semble-t-il que vous ayez des problèmes peut-être avec les règles. Moi, ce qui n'est pas écrit, ce qui n'est pas légal, je ne le fais pas. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais je l'assume. Nous assumons nos choix de finances. Ensuite, vous parlez des promesses électorales. Oh, monsieur Lanfray, au moins, si vous devez me reprendre, reprenez vraiment mes documents. Je peux comprendre que vous n'ayez pas pris mon bulletin, mais au moins reprenez au moins notre profession de foi. Ou dedans, et vous verrez, nous parlons clairement des taux municipaux. Et nous tenons. Aujourd'hui, félicitez-vous. Soyez heureux, soyez satisfaits que nous tenons une vraie promesse électorale de ne pas augmenter le taux communal. Les taux communaux, excusez-moi. Ensuite, je veux bien prendre des remarques. Mais quand on a fait plus 7% d'augmentation dès qu'on est arrivé en 2008, d'accord. Hein. Les leçons, je vais bien les recevoir, faut-il encore être exemplaire, mais ce que je vous propose, c'est plutôt de nous accompagner dans le bon sens, d'aller de l'avant au niveau de Montélimar,
d'aller dans les mêmes choses que ce que nous sommes en train de faire, de résoudre. Et j'en suis ravi que vous me dites qu'il y a des travaux que vous vous rendez compte vous-même que vous n'avez pas fait à bon escient. Oui, la rue Paul Loubet, il faut la refaire, nous la referons. Oui, un schéma de circulation, pour les vélos en l'occurrence, c'est le vrai objectif. Une fois que nous sommes en capacité d'aller du pont de Saint-James et de pouvoir refaire toute la rue Paul Loubet et remonter jusqu'au rond-point à sortie de Montémor au niveau de McDonald's, eh bien oui, nous aurons vraiment commencé. Quand nous refaisons les rues Pierre-Julien du bas et du haut en remettant des systèmes de plots hydrauliques pour sécuriser le centre-ville et redynamiser, oui, nous sommes satisfaits. Nous sommes aussi satisfaits d'avouer que oui, nous avons en priorité aussi considéré que nos agents devaient être traités dignement. C'est clairement quelque chose. Vous ne pouvez pas demander à des agents de travailler si vous ne les mettez pas dans de bonnes conditions. C'est la même chose pour ceux qui éduquent nos enfants dans des écoles. Si vous ne mettez pas les investissements suffisants, eh bien ça ne va pas. Donc moi, je trouve que ce DOB va dans un sens qui est clair, une affirmation de notre politique, où oui, nous assumons les promesses que nous avons faites, nous les mettrons en exergue, et oui, nous sommes tournés relativement sur l'avant, et radicalement, nous souhaitons faire avancer notre ville. Vous avez peut-être des remarques de votre part, Madame Desrayaux ? Oui, parce que je pense que ça va être moins long. Par contre, pour le contrat de ville, du coup, c'est quoi qui est prévu ? Parce que c'est vrai que ça, c'est une véritable interrogation. Quand on regarde sur le site de la ville, on nous parle d'une prorogation donc, du coup, jusqu'en 2022. Donc on peut partir du principe peut-être que c'est jusqu'au 31 décembre. Du coup, c'est quoi les actions envisagées pour justement pour les années qui restent à venir, enfin très courtes. Donc voilà. Puis aussi, quid aussi de ces conseils citoyens qui sont quand même, on va dire, un outil assez intéressant, notamment pour effectivement les quartiers prioritaires là où ils sont principalement installés. Normal, c'est ce qui était prévu. Donc clairement, c'est quoi l'objectif de la ville pour aller dans ce sens-là? Pour être très honnête avec vous, nous avons la DGA qui va être en relation avec tout ce qui est la ressource auprès de la population qui arrive le 1er décembre. Je dois vous avouer que je n'ai pas par principe de tricoter pour détricoter dès que je mets quelqu'un. Nous avons la chance d'être allé chercher quelqu'un qui travaille dans la métropole de Grenoble et qui tient compte particulièrement de ces problématiques. Donc nous allons pouvoir l'attendre, d'autant plus que j'espère que malgré le masque que nous avons sur le nez, nous n'allons pas nous retrouver dans une situation qui va encore complexifier cela, c'est-à-dire que refaire des réunions publiques, ça me paraît au jour d'aujourd'hui encore réalisable, mais peut-être difficile pour demain. Mais dans tous les cas, nous le mettrons en application dès que nous le pourrons. Et votre question, ou du moins une suggestion de budget participatif, pourra avoir tout son sens si nous trouvons les relais suffisants au niveau des différents quartiers. Nous avions commencé à le faire, et je remercie Démétier Dely et ma première adjointe, Marie-Christine Magnanon, par rapport à cela, parce que nous avions commencé à le faire. Malheureusement, nous avons eu le premier reconfinement et les choses se sont, je dois l'avouer, mis un peu en stand-by, mais la réelle volonté, c'est d'aller de l'avant, et nous attendons aussi, avec Mme Pascale Martinetto, une réelle volonté de pouvoir restructurer et aller dedans. Mais vous verrez qu'il y aura des vrais interlocuteurs. Ça vient aussi par rapport aux écoles, où nous sommes en train de nous restructurer. C'est un vrai travail de fond. Quand vous mettez des vrais pôles entre l'extrascolaire, le périscolaire et les ATSEM, un relais sur une école, demain, c'est un acteur fort qui pourra participer. Quand nous sommes aussi sur une volonté, et vous l'avez félicité tout à l'heure, je vous en remercie, de demander les moyens humains au niveau du social. C'est aussi des interlocuteurs, des heures d'ETP qui vont pouvoir être consacrées à cela. Parce que toute la question, elle est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec les moyens que nous avons. C'est-à-dire qu'annoncer de faire des choses si on n'a pas les moyens humains, et c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait d'avoir supprimé rapidement des postes, c'était où on considère qu'ils ne servaient à rien, ou on considère que tout d'un coup, on dégrade le service. Et si on regarde de façon assez relative, c'est là où on va se retrouver, c'est d'optimiser, de pouvoir remettre des vraies options, de remettre du dialogue là où il y a besoin. Mais pour qu'il y ait du dialogue, faut-il encore qu'il y ait une personne qui puisse vous écouter au niveau de la collectivité? C'est ce qu'on est en train de mettre en place. Monsieur Lanfray, je vous ai vu faire un signe. Oui, merci, monsieur le maire. Deux, trois éléments de réponse par rapport à ce que vous avez dit. La première, c'est que c'est intéressant de comparer les deux photographies qui ont été celles du rapport de la
Chambre régionale des comptes, et non pas de la Cour des comptes, la Chambre régionale des comptes, en 2014. C'est vrai, c'est une photographie. Et l'avantage de l'audit KPMG, c'est que c'est une autre photographie réalisée à fin 2020 et qui permet donc, effectivement, vous avez raison, de voir le chemin parcouru. Et je persiste et je signe, en 2020, la situation financière dont vous avez hérité est correcte et saine. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y avait des marges de manœuvre de tous les côtés, mais la situation était correcte et saine. Et effectivement, elle était meilleure qu'en 2014. Et d'ailleurs, le rapport KPMG le souligne en disant qu'il y a eu une nette amélioration de la situation depuis 2014. Ça, c'est la première chose. La vous deuxième voyez chose, pourquoi sur... je me suis permis tout à l'heure de vous faire une remarque. C'est que si vous parlez de l'audit de KPMG, c'était pour ça que je m'étais permis simplement de vous faire la remarque, c'est qu'on anticipe sur le dialogue qui est dans l'ordre du jour. Ça ne me dérange pas, si vous voulez qu'on parle de l'audit, mais c'est clairement pour ça. C'est, mélangeons pas tout. C'est pour ça que je vous demande de rester sur le DOB. Et je vous prie de m'excuser. Et pas besoin de souffler, c'est mon rôle de président de séance de rappeler les membres du conseil municipal quand ils dévient sur leur prise de parole. J'en suis vraiment désolé, mais c'est comme ça. Si je vous dis on parlera de l'audit au moment où c'est dans l'ordre du jour, on parle de l'audit au moment où c'est dans l'ordre du jour. Après, c'est clair, c'est encore une règle. J'ai compris que vous aviez peut-être un peu de réticence avec les règles et les règlements, mais moi, je vais vous demander de bien vouloir les respecter. Si vous voulez parler de l'audit, on en parlera après les questions écrites. Merci beaucoup. Bien. Je peux parler ? Oui, mais M. Lanfray, ah, mais je sais pas, que les choses soient très claires. Vous savez, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'essayer de se plaindre, M. Lanfray. Je serais vraiment désolé, mais avec l'ensemble des membres du Conseil, de vous rappeler à l'ordre si vous ne respectez pas les règles. Une question toute bête, vous avez pu le noter et il n'y avait aucune agressivité de ma part, et vous pouvez le voir, quand je demande à Mme Demet-Yedeli d'aller s'asseoir à sa place qui est déterminée. Il n'y a rien de particulier, c'est simplement le règlement, il y a une table, il y a un plan des personnes, je rappelle les règles. Il y a un ordre du jour, je rappelle les règles. Donc, si vous avez un vrai problème avec les règles, M. Lanfray, c'est votre souci, et je suis vraiment désolé, mais je serai obligé à chaque fois de vous rappeler le règlement. C'est ainsi. Et je veux dire, avec votre expérience que vous aviez quand vous étiez conseiller départemental, vous avez pu voir aussi que dans d'autres assemblées, si le temps de parole est dépassé, on arrête les personnes et ce n'est pas un dédit de démocratie. On n'est pas là en train de faire ça, sauf que quand vous déviez, vous ne parlez pas du bon thème, je serai obligé de vous le rappeler. Voilà, vous avez la parole sur le DOB. Je vous remercie, monsieur le maire. Donc, par rapport aux éléments que vous avez avancés sur les écoles, les véhicules et les bâtiments, c'était justement les données techniques que j'avais demandé que je n'ai pas eues. Donc je suis très embêté pour pouvoir débattre avec vous sur ce sujet-là, sur ce qui était là. C'est exactement les chiffres que j'avais demandé et que je n'ai pas eu. Donc voilà, c'était juste pour vous dire l'importance que ça pourrait avoir d'avoir ces chiffres-là. Il n'y a aucun souci. Vous les avez, je peux vous les redonner plus doucement si vous le souhaitez, non, et vous laisser débattre dessus. Ah non, moi, vous savez, si je peux vous rendre service, il n'y a aucun souci. Excusez-moi, là, j'ai dévié de la règle, là. Excusez-moi, parce que vous m'avez interrompu, j'ai dévié de la règle. Je suis tellement sympa que je vous donne les réponses que vous souhaitez. La voirie, 13 ans, 125 000 km. Espace vert, 14 ans, 130 000. C'est pas ça. La voirie, 4 engins, dont 2 de plus de 19 ans. C'est pas ça que j'ai demandé. Voilà, 35 000. Ah non, c'était. C'est pas ça que j'ai demandé. Bon, allez-y. Non, mais j'avais demandé des chiffres sur les écoles et les véhicules que je n'ai pas eu, donc c'est très difficile pour moi de débattre avec vous sur ce sujet-là. Ceci étant dit, j'ai bien indiqué dans mon propos que dans ce DOB, il y avait des choses qui nous satisfaisaient et parmi lesquelles, notamment, le travail qui était fait sur les écoles, les véhicules et les bâtiments. Donc, je ne crois pas avoir remis ça en cause, mais après, je veux bien avoir un débat sur ces aspects-là, à condition que j'ai les éléments techniques pour pouvoir le faire. Dernière chose qui me paraît importante, c'est que je persiste et je signe et j'avance, et la presse sera là pour le rappeler, vous avez, pendant la campagne électorale, vous vous êtes engagé à ne pas augmenter les impôts à la ville et à l'agglo. C'est vrai qu'au début, vous l'avez dit qu'à la ville. Et puis, quand la plupart de vos adversaires l'ont proposé aussi à l'agglo, sur les derniers documents de campagne, puisqu'il y a eu une crise sanitaire entre les deux tours, sur les derniers documents de campagne, est apparu aussi, et dans votre bouche, notamment dans des débats au Dauphiné Libéré ou à France 3, est apparue dans votre bouche la promesse de ne pas augmenter également les impôts à l'agglo. Donc je persiste et je signe. Oui, vous n'avez pas respecté votre promesse à l'égard des Montiliennes et des Montiliens. Et la crainte que nous avons, c'est que vous le fassiez également à la ville. Après, dernière chose, monsieur le maire, j'entends que vos rappels à la règle, je ne manquerai pas de m'en souvenir, soyez-en sûr. Je voudrais juste... Pour la qualité de la teneur de nos propos, je ne crois pas à un seul moment
vous avoir manqué de respect dans l'ensemble de mon discours depuis tout à l'heure. En 5 minutes, vous m'avez traité 5 fois de malhonnête. Je pense que ce n'était pas nécessaire. Vous avez fini, M. Lombray ? Très bien, je vous remercie. Moi, je pense qu'il n'est pas suffisant d'en rajouter plus. Quand on a en face de nous quelqu'un qui ne veut pas entendre et qui ne veut pas voir la réalité. Je pense qu'à partir de ce moment-là, le débat en est fini. Tout simplement, quand je parle d'honnêteté, c'est clairement... Prenons un exemple, le SDIS. Une hausse qu'on ne fait pas. On attend la fin des élections pour augmenter le SDIS de 164 000 euros. Je suis désolé, ce n'était pas quelque chose qui n'était pas prévisible. C'est une volonté politique, c'est votre choix. Il n'y a pas de souci. Je veux dire, après, quand vous nous parlez du centre-ville, heureusement que nous avons Mathilde Conta, que certains qualifient... Je passerai l'exemple. Mais je remercie Mathilde Conta du travail qu'elle nous fait en cœur de ville. Mais quand à l'auditorium, tout d'un coup, on cache les travaux qu'il y a à faire et qu'on se retrouve avec des travaux qui ne sont plus en centaines de milliers, mais en millions. Eh bien oui, c'est clair que ce n'est pas les mêmes choses. Ensuite, vous voulez à tout prix me faire dire des choses que je n'ai pas dit. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est votre choix, ça ne me dérange pas. Vous souhaitiez reprendre la parole ? Ça sera la dernière prise de parole, si vous le souhaitez bien, pour qu'on puisse avancer après. Sauf si je suis remis à nouveau en cause, je pense que j'ai quand même le droit de répondre par rapport au SDIS. Je vous dis que vous découvrez l'augmentation. Je suis un tout petit peu surpris parce que je crois que la première fois que la majorité départementale, dont maintenant 3 de vos adjoints fait partie, la première fois que la majorité départementale a exposé la nécessité d'augmenter les contributions des communes, c'était en 2019. Lors du congrès des maires de la Drôme, ça a été redit en 2020. Je me rappelle notamment avec une intervention de Françoise Priotto, qui est Madame Priotto, dont j'ai mangé le prénom, excusez-moi. Christine Priotto, avec une intervention de Christine Priotto, qui expliquait aux maires ici présents l'importance d'envisager une augmentation de la contribution en 2022 et les enjeux qu'il y avait derrière. Je ne crois pas que les gens le découvraient. En outre, par rapport à cette augmentation de la contribution des communes, je rappelle quand même que pendant 6 années, elle n'a pas augmenté, ce qui était une première, parce que pendant 16 ans d'affilée, elle a augmenté, et pendant 6 ans, nous l'avons effectivement maintenue. Il n'a jamais été caché qu'elle augmenterait en 2022, il n'a jamais été caché de la façon dont elle augmenterait, puisque la méthode de calcul, la nouvelle méthode de calcul des contributions et ses conséquences pour l'ensemble des communes a été exposée à l'Association des maires de la Drôme, et ce, dès 2019. Ça a été refait suite au changement politique, et je crois savoir quand même que vous siégez avec le président d'Aragon en tant que vice-président à l'AMD. Il y a eu une réunion à laquelle je n'ai volontairement pas participé pour éviter de politiser les choses. Donc c'est le contrôleur général Amadei qui est venu participer à cette réunion en 2020 pour vous exposer la nouvelle méthode de calcul de la contribution des communes au sein de l'AMD, et vous l'avez validée à l'unanimité. Dernière chose que je voudrais dire par rapport aux contributions du SDIS, c'est que, et vous avez beaucoup œuvré pour ça, il ne nous a pas échappé que je ne suis plus président du SDIS depuis maintenant quelques mois, qu'il y a une nouvelle présidente, libre à elle après de poursuivre ce qui avait été décidé ou pas. Je dirais juste une chose, c'est que l'AMD a validé, et vous êtes vice-président de l'AMD, et je dirais une autre chose, c'est que aujourd'hui, au niveau du SDIS de la Drôme, il a sans doute été décidé de ne pas étaler pour les communes qui étaient les plus impactées par la réforme des contributions cette augmentation. En ce qui me concerne en tant que président, à l'époque, j'avais demandé à mes services de travailler sur une hypothèse pour étaler sur 5 ans l'augmentation de la contribution pour les communes qui allaient plus être impactées par cette nouvelle réforme. Cette proposition n'a pas dû être retenue par ma successeur. Je le regrette, mais en tout cas, sachez que moi, j'avais prévu des amortisseurs, notamment pour les communes impactées comme Montélimar. Je vous remercie. Vous avez démontré donc ce que je souhaitais. C'était le fait qu'à un moment, il faut prendre du courage politique. Il ne faut pas toujours repousser les taxes, même si c'est compliqué, comme la GEMAPI, comme les taxes pour les pompiers. C'est clairement assumer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, assumer d'affronter les difficultés et d'y mettre les moyens qui sont en adéquation. Et je vous en parlerai au moment de l'audit. C'est une vraie différence que nous avons. Monsieur Milazzo, Monsieur Roissac, excusez-moi. Bon, simplement, c'était pour illustrer un petit peu vos propos. Et quand vous parlez de l'embauche de personnel, nous, Plus belle ma ville, préférons une politique qui favorise les moyens humains. Et en 2014, j'étais déjà directeur de l'école Margerie.
Et lorsqu'il y a eu la suppression de ces 20 postes dont vous parlez, et il avait été créé cette classe d'ULIS TFM, des troubles des fonctions motrices, avec création d'un ascenseur et d'un moyen humain de la municipalité pour accompagner ces élèves porteurs de handicap. En 2020, cette personne-là a été supprimée. Voilà, c'était simplement pour illustrer la suppression des 20 postes dont vous parliez en 2014. Ce que je vous propose, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est de continuer directement et de passer au vote du rapport d'orientation budgétaire. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Eh bien, je vous en remercie. Adopté à l'unanimité. On prend acte. Ah ben j'étais plus satisfait que vous preniez acte alors. Ah d'accord, ah ça m'allait. Le débat a eu lieu. Non mais j'étais satisfait pour vous avoir convaincu, semble-t-il pas encore. Donc nous avons pris acte. Vous inquiétez pas, la bonne foi ça vient avec les bonnes années. Allez, délibération 2.0. Madame Magnanon, c'est à vous. Bonsoir à tous. Cette délibération porte sur une convention de mise à disposition d'ouvrages pour contribuer au système d'endiguement de Montélimar. Pour information, cette délibération fait suite à une délibération qui a été prise en conseil communautaire le 16 septembre donc 2021. La communauté d'Aglo exerce la compétence GEMAPI sur l'ensemble de son territoire depuis le 1er janvier 1918. 2018, excusez-moi. Montélimar Aglo a identifié de nombreuses digues existantes protégeant Montélimar contre le risque inondation. Aujourd'hui, et conformément au décret digue du 12 mars 2015, il est nécessaire de définir des systèmes d'endiguement organisés à partir des digues existantes. Ces systèmes d'endiguement ainsi identifiés doivent ensuite être autorisés par le préfet de la Drôme. Montélimar Agglomération doit donc élaborer un dossier de demande d'autorisation des systèmes d'endiguement en justifiant notamment de la maîtrise foncière de ces ouvrages. Montélimar Agglomération a identifié des parcelles appartenant à la ville de Montélimar. Le listing de ces parcelles est joint en annexe. Ces ouvrages participent à la protection de la population contre les inondations. Il est donc nécessaire de les mettre à disposition de Montélimar Agglomération qui en assurera la surveillance en toutes circonstances, l'entretien et réalisera les travaux nécessaires. Pour cela, il convient de conclure une convention de mise à disposition d'ouvrages entre la ville et Montélimar Agglomération. Donc, le dossier de demande d'autorisation des systèmes d'endiguement porté par Montélimar Agglomération intégrera cette convention afin de justifier de la maîtrise foncière. Avez-vous des questions ? Vous n'avez pas de questions. Je vous donne quand même un chiffre, parce que je sais pas, moi ça m'a interpellé, j'ai fait l'addition, sur le nombre de contenances en mètres carrés des parcelles de la ville. Ainsi, demain, protégées grâce à la convention que nous avons votée la dernière fois, c'est 96 129 mètres carrés qui vont être transférés pour pouvoir être protégés. C'est les digues pour pouvoir protéger l'ensemble de ces parcelles. Deux éléments qui me paraissent importants quand même. C'est qu'on est en train de récupérer le retard. Je vous en parlais tout à l'heure. C'est quand même un décret de 2015. C'est-à-dire que quand je vous expliquais qu'il y a besoin de personnel pour pouvoir assumer le travail qui doit être fait, et que, on en parlera aussi tout à l'heure au niveau de l'audit, mais à force de vouloir mettre et repousser les démarches administratives toujours à demain, comme les documents dont je vous avais parlé tout à l'heure, on se retrouve dans des situations qui sont réellement de retard. Un décret de 2015 où vous ne faites pas les compétences. C'est aussi une volonté d'assumer ou pas les responsabilités que les administrés nous ont données en nous élisant à la mairie de Montélimar. Quand vous dites, oui, il y a un vrai problème au niveau de la GEMAPI, il faut qu'il y ait une vraie protection, une réelle volonté d'aménager, de protéger nos administrés, voilà, nous l'assumons. Oui, la taxe GEMAPI va être mise en place. Oui, je pourrais vous donner, Madame Brunel-Maillet, vous me l'aviez demandé au Conseil communautaire le moment venu, les estimations des travaux qui vont pouvoir être faits. Mais oui, clairement, et je l'assume, quand on a 96 000 m² qui méritent d'être protégés, et je n'ai pas le nombre d'habitants précis, je demanderai au service de nous faire cela et vous le faire parvenir si nécessaire. Oui, c'est important. Et oui, j'assume que nous avons ces temps de retard
sur le coup et que eh bien, il faut les récupérer. Donc voilà. S'il n'y a pas de remarques, je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Et je vous en remercie, car la protection, comme j'avais pu le dire au niveau de la taxe GEMAPI, importe à tout un chacun. Délibération 3.0. Monsieur Oumedour, c'est à vous. Merci, Marie. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, première délibération. Je dirais que les trois qui se suivent se ressemblent pratiquement. Donc, la première, donc, c'est requalification des portions hautes et basses de la rue Pierre-Julien et de la rue de Poyol. Donc, partie basse, il y a 225 mètres linéaires. En partie haute, 200 mètres linéaires. Ainsi que la rue Roger Poyol qui fait 135 mètres linéaires. L'enveloppe financière prévisionnelle est d'un montant de 1 693 560 000 €. Donc il apparaît nécessaire de faire appel à une maîtrise d'œuvre. Et du coup, le programme qui est prévu donc, est souhaité, c'est une part importante laissée à la végétalisation en pleine terre sans que cela ne remette en cause l'économie générale du projet. Des revêtements permettant une continuité cohérente, esthétique et fonctionnelle, avec les aménagements déjà réalisés en tranche 1, la possibilité de découper les aménagements par tranches successives de travaux, et l'optimisation des réseaux, enfouissement, préparation de la mise en place de vidéoprotection, etc. Donc le plan de financement prévu prévoit une subvention de 20% du département, 20% de la région Aura. Y a-t-il des questions ? Vous n'avez pas de questions ? Bon, je ne vais pas vous faire un ami avec M. Vauquier, donc on va se mettre d'accord. Maintenant, la région, c'est Auvergne-Rhône-Alpes. Hein. Sinon, ça va être compliqué. Si on veut les subventions, autant l'appeler comme il le souhaite. Eh bien, moi, je suis très satisfait de cette délibération, de cette réelle volonté. C'est-à-dire que nous l'avons clairement dit, les rues Pierre-Julien, le bas et le haut, mérite réellement une requalification, de vraies actions, car nous héritons d'une situation assez compliquée. Pas plus tard que le mois dernier, avec Jean-Michel Goualard, nous sommes allés pour le haut de la rue Pierre-Julien, avec des aménagements concrets et des mesures administratives aussi, qui vont prendre leur effet immédiatement pour permettre de requalifier ces zones-là. Je sais que certains donnent peu de chance au haut de la rue Pierre-Julien, mais je ne le crois pas. Je crois réellement que c'est une réelle volonté, que ce haut de la rue Pierre-Julien mérite d'être requalifié, comme le bas. Le bas de la rue Pierre-Julien, et je remercie le travail qu'a pu faire Mathilde Conta et notre service aussi au foncier pour identifier les locaux vacants et surtout la dimension des locaux qui pourront répondre aussi à de nouvelles attentes pour l'ouverture de nouveaux commerces. Je me félicite depuis maintenant 2 ans du redémarrage du centre-ville réellement avec des réouvertures de magasins, nous le voyons, et j'en suis très satisfait, c'est une réelle volonté. La rue Roger Poyol, la requalification de la rue Roger Poyol est indispensable parce que c'est important, une fois que vous avez les parkings, et nous pourrons parler aussi où il y a une fluidité, et il faut se féliciter, nous attendrons sur une année calendaire pour montrer les résultats de la politique qui a été menée par Sylvie Verchère au niveau de la volonté du renouvellement du matériel et les conséquences de la disponibilité de la rotation des voitures. C'est important aussi de requalifier ces rues Roger Poyol pour que le parking Galera reprenne toute sa place et permettre de réirriguer le centre-ville de Montélimar. Donc oui, clairement, cette volonté de requalifier les portions que Karim Oumedour vient de citer vont dans ce réel sens, d'aller dans le sens de redynamiser, continuer. Nous devons faire ça par tranche, nous le ferons. Nous aurons aussi comme vocation, et nous pourrons le faire avant même la création, de pouvoir dialoguer, c'est-à-dire avec nos commerçants, nos acteurs du centre-ville, les habitants, pour pouvoir se mettre d'accord sur les attentes que nous pouvons avoir au niveau. J'avais la poste, pas plus tard que cet après-midi, dans mon bureau, en leur expliquant que nous allons faire des travaux pour pouvoir redynamiser cet ensemble. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Délibération 3.01. Monsieur Oumedour, c'est à vous. Donc un peu dans la même dynamique que la précédente, donc la ville de Montélimar s'est engagée dans une démarche donc volontariste afin de valoriser le cadre de vie des Montiliens dans toutes ses dimensions. Mode de déplacement doux pour les cycles, piétons et personnes à mobilité réduite. Aménagement paysager, traitement qualificatif de l'espace public. Donc, cette démarche s'inscrit également dans le contexte d'un projet de rénovation urbaine du quartier de Nocaz en lien avec DROM Aménagement Habitat, donc DAH. Les enjeux, il en va ainsi d'un des axes majeurs de la ville avec plus de 5000 véhicules jour, constitués par la succession de la rue des Grèzes, chemin des Grèzes
et de l'intersection principale sur le tracé, le carrefour des Grèzes, dont la géométrie n'est plus adaptée aux usages modernes et qu'il convient de traiter en carrefour giratoire. Donc une étude précise devra être faite et du coup, il apparaît nécessaire de recourir au service d'un maître d'œuvre. Incidence financière, l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux est de 2 904 000 euros. C'est montant hors taxe. Le plan de financement prévoit une subvention de 20% du département de la Drôme. Du coup, on est hors périmètre cœur de ville. Du coup, on ne peut pas solliciter la région Auvergne-Rhône-Alpes à ce sujet. Avez-vous des remarques ou des questions? Je préciserai aussi... Oui, pardon. Allez-y, M. Roissac. Simplement, il y avait des réserves qui avaient été émises sur le c'est la rue des Grèzes, alors celle qui va du pont de la voie ferrée jusqu'à la déviation poids lourd. Ça, c'est Chemin des Grèzes. Ça. C'est Chemin des Grèzes. Ouais. La rue, c'est Saint-James. D'accord. Alors, Chemin des Grèzes, des réserves avaient été faites pour pouvoir élargir la rue. Et il y a des nouvelles constructions qui ont été faites il n'y a pas longtemps et qui sont plus proche de la route que les autres. Pour quelles raisons il y a un alignement différent sur certaines parcelles et pas sur d'autres? Vous avez relevé un problème structurant sur ce projet, qui était de longue date. Il est vrai que le chemin des Grèzes avait été annoncé de longue date, mais les permis avaient été accordés par l'équipe précédente. Donc, j'en suis vraiment désolé. Si vous voulez, vous pouvez me demander les permis concrets, je vous ferai donner les dates. C'est ce que j'appelle la vision. Quand on permet de donner les permis de construire sans laisser la place nécessaire pour pouvoir demain envisager de refaire un vrai trottoir, de mettre de la lumière, on en est quand même, chemin des Grèzes, à ne pas avoir de trottoir, pas avoir de lumière, pas de piste cyclable, et de ne pas avoir, le jour où on a fait le pont, anticiper le flux de voitures. C'est 5000 voitures par jour à ce niveau-là. Donc voilà. Donc ce chantier, je remercie par avance l'ensemble de nos équipes qui vont devoir faire un travail long, c'est-à-dire aller revoir l'ensemble des propriétaires, refaire du traçage, voir aussi les modalités, si besoin il y a de reculer les murs. Voilà, ça va être un travail qui va être assez long au niveau du chemin des Grèzes. J'en profite pour remercier Karim Omidour qui a suivi ce dossier pour le projet de rénovation urbaine au niveau de Neucaz et qui a pu, avec DAH, dans notre raisonnement, nous aurons aussi la volonté d'inclure l'école Joliot-Curie. C'est-à-dire qu'il y avait Neucaz, mais nous avons demandé que l'école qui se trouve de l'autre côté soit incorporée dedans pour qu'on ait un réel raisonnement, parce qu'il est essentiel d'avoir le cœur de ville et aussi les établissements. Pauline Cabonne avait fait un axe primordial aussi dedans, parce que la rénovation, on en aura bien besoin. Je n'entrerai pas dans le détail des travaux à faire dans cette école, mais ça sera bien nécessaire. Juste pour compléter, tous les équipements publics seront pris en compte dans l'étude. Voilà. Voilà. Et ce qui va, et qui fait quoi? L'un de nos derniers conseils municipaux, Madame Derriot, sur la volonté aussi d'avoir impulsé une volonté du campus au niveau de l'ancienne chambre des métiers et de l'artisanat. C'est ce que j'essaie de démontrer dans notre méthode. Nous savons clairement où nous voulons aller. Nous sommes obligés d'être méthodiques, de reprendre chaque chose à son temps. C'est-à-dire qu'on ne lance pas l'aménagement urbain des Grèzes avant d'avoir pu avoir une convention avec DAH qui va participer à cette rénovation pour avoir une vraie cohérence. Une fois que nous l'avons, nous devons le signer d'ici combien? 2 semaines? Oui, à peine. C'est ça? D'ici 2 semaines? Voilà, il y a une réelle volonté de coordonner l'ensemble de nos documents pour pouvoir travailler dans l'ensemble. La maîtrise d'œuvre a été choisie, pour info. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Sinon, je passe au vote. Passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Monsieur Oumédour, c'est encore à vous, délibération 3.02. Donc, aménagement urbain, rue Paul Loubet, requalification des rues Léon Blum, Paul Loubet, Olivier de Serre et des carrefours du Vox et de la Gare. Pour rappel, donc, l'aménagement majeur a été réalisé avec la création du giratoire Kennedy. Il convient désormais de poursuivre la démarche avec de grands axes de circulation connexes qui méritent une requalification d'ampleur. Donc, pour ces projets, donc, pour info, il y a plus de 10 000 véhicules jour sur la rue Paul Loubet. Donc c'est une voie très, très circulée. Le projet comprend deux intersections principales de cet axe, donc dans la géométrie, comme sur les Grèzes, n'est plus adaptée aux usages modernes, à savoir les carrefours du Vox et de la Gare. Donc pour ce faire, une étude précise doit se faire. Et nous devons également recourir à une maîtrise d'œuvre. Les incidences financières sont plus conséquentes. On approche donc les 3 967 000 euros hors taxes pour l'enveloppe financière prévisionnelle. Et pour le coup, comme on est en cœur de ville, le plan de financement prévoit une subvention de 20% du département de la Drôme et de 20% de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Comme l'a rappelé le maire, pour ces trois projets, il est prévu une concertation qui se fera jusqu'au mois de juin 2022. Avez-vous des questions ? Il n'y a pas de questions, monsieur Omédour, je vous remercie. Et c'est vrai que vous avez parlé du nombre de véhicules. C'est vrai que si nous prenons par tronçon, Olivier de Serre, au dernier rôle de chiffre, c'est 15 000 véhicules jour. Donc, ce que l'on peut comprendre, et c'est là, si l'on reprend clairement comme rue Paul Loubet, une réelle volonté de notre part de reprendre l'ensemble de ce tronçon qui représente quand même 1,550 km, ce qui représente un réel axe de circulation, et de pouvoir y trouver la place de tout un chacun. C'est-à-dire que quand nous parlons du carrefour de la gare, vous voyez toute la difficulté pour nos étudiants du lycée ou du collège qui retournent à la gare pour prendre leur bus. Il y a un réel souci au niveau piéton. Il y a une réelle volonté aussi, comme j'ai pu vous le dire en introduction, d'imaginer et de mettre en place une piste cyclable qui puisse permettre cette liaison entre le nord et le sud de notre centre-ville pour aller dans le bon sens. Voilà. Et toujours pour rester un petit peu sur la méthode, et vous comprendrez, et ça me paraît essentiel, la raison pour laquelle notre majorité a souhaité faire les travaux rapidement sur le rond-point Kennedy. Pourquoi ? C'est un, et je vous démontrerai l'efficacité de ce rond-point et nos choix qui ont été les nôtres, mais c'est surtout qu'à partir du moment où vous avez défait ce nœud-là, vous pouvez avoir une logique, continuer sur la volonté de nos travaux et de continuer la réelle volonté des pistes cyclables qui soient réalisées, parce que si vous faites juste une piste cyclable mais qu'il y a un nœud bloquant dès le début, ben vous n'aurez pas de vélos qui vont y arriver. Donc il y a une réelle volonté, et je vous le démontrerai tout au long de ce mandat, d'avoir commencé par le rond-point Kennedy et d'avoir un ensemble de travaux routiers qui puissent aller dans ce sens-là. Voilà, je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Monsieur Oumédour, c'est toujours à vous. Convention de servitude de réseau avec Enidis sur la parcelle communale. ZM 1202, rue Louis-Chancel. Donc, Enidis doit procéder à un nouveau raccordement électrique sur le secteur de Maubec. Il s'agit de raccorder la résidence senior service Aquarelia, 106 logements, situés à l'intersection de la rue Louis-Chancel et de la route d'Allan, actuellement en cours de construction. Quatre canalisations basse tension, 240, vont être implantées en souterrain sous la rue Louis-Chancel, entre le poste de transformation Étienne Bonnefoy, situé à l'Émarque Étienne Bonnefoy, et le terrain de la résidence, soit une longueur de 70 mètres. Les enjeux, donc ces deux canalisations donc, traversent la parcelle communale. Cette parcelle relevant du domaine privé de la commune Enidis et la ville doivent constituer des servitudes de passage de réseau via deux conventions qui sont jointes à la délibération. Aucune incidence financière pour la ville et aucune indemnité versée par Enidis à la ville. Avez-vous des questions ? Je vais préciser concernant cette délibération et ça sera un point de rappel tout au long de cette mandature, au moins sur les prochains mois ou au moins semestres qui vont nous occuper, une réelle volonté de la part de la mairie de mettre les choses au clair concernant le promoteur GGL et les déviances ou les zones d'ombre, ou dirons-nous les incertitudes entre la différence entre propos, écriture, mais également entre les documents qui ont pu être donnés aux anciennes majorités, mais aussi à l'ensemble du conseil municipal. Car ça, c'est un exemple qui se matérialise, donc ça sera tout un chacun assez facile à le comprendre. Il est quand même compliqué d'imaginer qu'on ne pouvait pas avoir l'idée de faire ces types de canalisation de l'autre côté pour alimenter les parcelles qui étaient dans le même ZAC. Voilà, c'est très anecdotique sur ce point de vue-là, sur les lignes électriques, mais nous avons un travail qui est fort et important. J'en remercie Laurent Chauveau en tant que VP, mais aussi Camille Omédour pour les travaux, mais aussi nos services, et je souhaite remercier tout particulièrement Hervé et Stéphanie Jude concernant ce travail, parce que c'est un travail qui est long, c'est un travail que je ne peux vous donner aujourd'hui, car je dois vous avouer qu'entre le document initial qui a pu être présenté, qui a été voté au sein du conseil municipal, et les propos que l'on me tient au niveau de l'organisation de GGL, avec le nombre d'avenants et de contre-avenants, et de différences de lot, l'augmentation, le développement en tranches, différentes choses, les choses doivent être mises à plat. Le promoteur immobilier a été averti pas plus tard que ce matin par Madame June lors d'une réunion de travail et il aura vocation à revenir au niveau du conseil municipal, si besoin il y a, pour pouvoir clarifier la situation avec ce promoteur immobilier et sur les conséquences que celui-ci entraîne sur notre ville. Je ne donnerai qu'un seul exemple, l'école. Ça suffira pour que vous ayez tout un chacun besoin de le comprendre. Au niveau de l'école, quand vous avez un flux supplémentaire, une collectivité, nous avons l'obligation de pouvoir accueillir nos enfants sur notre territoire pour les mettre à l'école. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation où ne souhaitons pas,
pour faire des facilités à un promoteur immobilier, mettre des Algeco dans nos écoles ou mettre en tension les autres écoles qui seraient en déversement du quartier Maubec. Il y a des pratiques qui ont été faites dans le passé, je ne souhaite pas remettre celles-ci. Donc nous allons devoir remettre à plat, et si il y a des contraintes et si je pense qu'il est opportun de revenir, je reviendrai auprès de vous pour pouvoir vous expliquer ce suivi de situation avec ce promoteur GGL qui doit assumer la totalité de ses responsabilités. On peut tout à fait vendre des biens immobiliers, très bien, mais on n'est pas obligé, quand on est un promoteur immobilier, de faire des promesses pour vendre ces terrains, mais ne pas les assumer. J'ai une pensée toute particulière pour les gens qui ont acheté un terrain dans la première tranche, à qui on a promis une école pour mettre la scolarité de leurs enfants. J'espère qu'ils avaient 2 ans leur enfant, parce que sinon, ils n'ont pas pu faire le CM2. Voilà. Donc ça a pu avoir vrai un moment, mais nous souhaitons réellement remettre les choses au clair. Je pense également à différents types d'aménagements qui ont pu être non programmés. Comment imaginer qu'au carrefour de Ravalli, un rond-point n'aurait pas été opportun ? Je veux dire, c'est un manque de vision que de ne pas imaginer le flux de circulation, passer le partenariat nécessaire avec les élus départementaux à ce moment-là, ça me paraissait important. Voilà, nous sommes dans cette situation où nous travaillons et je remercie réellement les services et les élus en charge parce que c'est un dossier qui est lourd, qui a été géré, il est vrai, et je dois en dédouaner un de nos membres du conseil municipal qui est M. Faber parce que des propres aveux du groupe GGL, il n'était pas partisan dans les réunions ou pas présent dans ce type de réunion. Ça a été des dossiers qui ont été traités en direct par mon prédécesseur et donc nous avons besoin de reprendre l'ensemble des choses. Je vous en remercie. Nous passons donc au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Délibération 3.04. Monsieur Chauveau. Ou Monsieur Oumedo, c'est comme vous voulez. Eh bien, vous inquiétez pas, je vais m'en occuper tout seul. Substitution de l'EPORA dans le cadre de l'acquisition d'un immeuble 3 rue du Canal. Nous sommes toujours dans notre volonté de l'opération cœur de ville et de maîtrise du foncier dans le secteur que nous avons fait, l'îlot du Fust. Avez-vous des questions ? Il n'y a pas de questions. Je vous propose donc de passer au vote. Ah oui, pardon. Allez-y. Bonsoir, chers collègues. Suite à la commission à laquelle j'étais, une question que je n'ai pas pu poser, enfin, qui est apparue après, concernant la situation des locataires actuels. Je suis bien sur la bonne délibre, là. Oui. Il y avait, sur les 8 logements, ils sont occupés par 6 locataires. Et du coup, je voulais savoir ce qu'il allait se passer pour eux. Autre question aussi, c'était sur le prix de 370 000 euros. Est-ce que c'est un prix définitif? Et aussi, pardon, est-ce que c'est fixé par les domaines, ce tarif? Par rapport à la surface cadastrale, est-ce que, donc là c'est vraiment technique, je suis désolée, est-ce qu'il s'agit de la surface au sol? Donc est-ce que c'est 112 mètres carrés x 4 ou bien 112 mètres carrés sur 4 étages? Voilà, merci. Moi, tout de suite, pas de souci. La volonté, c'est pour les logements, tant qu'ils sont occupés et qu'ils sont en bonne qualité de logement, il n'y a pas vocation à faire partir directement, mais c'est une réelle volonté de maîtrise foncière. C'est-à-dire que demain, il y a des immeubles qui sont juste à coller, juste à côté. On aurait un vrai problème si demain, vous aviez une copropriété divisée pour pouvoir enclencher les travaux. Si nous sommes les propriétaires de l'immeuble complet, ça sera beaucoup plus simple pour les immeubles qui sont à droite, les immeubles à gauche, mais aussi de l'autre côté, où il y a des immeubles où eux sont dans un état plus que délabré, où là, il n'est pas habitable de l'autre côté de l'autre rue, mais qui est mitoyen par le mur. Pour le prix, oui, c'est vrai que ça fait 46 000 euros le logement, à peu près. Je dois vous avouer, je ne sais pas si ça a été préempté, c'est que ça veut dire que ça devait être le prix de vente à ce moment-là, qui avait dû être proposé à la vente, et c'est là où on préempte. Donc, je vais dire que c'est le prix de marché à ce moment-là, ce n'est pas forcément une estimation des domaines. Et votre dernière question, c'était le mètre carré... Attendez. Et c'est la réponse, c'est la parcelle, donc c'est au sol et par niveau. Voilà, 112 mètres, 112 mètres. Vous avez tout. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ?
adopté à l'unanimité. Et la surface bâtie, il faudra m'expliquer, mais c'est 444 mètres carrés. Voilà. Délibération 3.05. Et cette fois, M. Chauveau, c'est à vous. Bonjour. Sur celle-ci, donc c'est un peu la suite de ce qui a été voté en juillet avec l'acquisition à la SPL de parcelles pour aider l'abri dans un projet d'accueil de jour. Donc là, on est sollicité par, par l'entraide protestante qui est voisine puisqu'on a laissé un bout de parcelle enclavé donc entre Audigier, entre l'abri et l'entraide protestante. Et ils nous sollicitent pour faire des jardins partagés. Donc la proposition, c'est d'acquérir ces parcelles à la SPL au prix de 3 euros le mètre carré pour les mettre à disposition de l'entraide protestante. Avez-vous des questions? Ah oui, vous avez raison, Marianne. Il t'a précisé, Madame Patricia Brunel-Maillet s'est levée. Donc, pour aller dans ce sens-là, c'est une réelle volonté de notre part de continuer avec les acteurs associatifs et du social, plus particulièrement avec l'abri et l'entraide protestante, de leur permettre de disposer de ce type de terrain. Parce que je vous rappelle, et vous aurez au prochain conseil municipal aussi, une réelle volonté d'accompagner l'abri dans ses projets. Ils ont un réel projet d'infrastructure. En dur cette fois, non plus en Algeco. Et donc c'est vrai que cette parcelle de terrain qui sera derrière, un, c'est un réel bon raisonnement, et j'en remercie l'ensemble des services qui sont allés dans ce sens-là, de permettre, parce que c'était un terrain qui était enclavé, qui allait être compliqué à pouvoir aménager, ça permet aussi de permettre d'avoir un espace assez significatif pour des projets pédagogiques et qui pourront, j'en suis sûr et j'en remercie par avance les deux associations, être subventionnées et permettre aussi l'insertion. Donc voilà, je remercie également la SPL. Peut-être un point de précision, le prix de terrain, c'est le prix à laquelle la ville, à l'époque, avait vendu le terrain. Donc il était hors de question que la ville rachète un terrain plus cher sur un terrain où il n'y avait rien eu de fait d'aménagement dans cette ZAC. Voilà pourquoi le prix de 3 euros. Avez-vous des questions? S'il n'y a pas de questions, je me dois néanmoins de préciser que ne prennent pas part au vote M. Éric Felupo, M. Karim Omedour, Mme Cécile Gillet et M. Norbert Grave. Nous passons donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Délibération 3.06. Monsieur Chauveau, c'est à vous. Donc dans cette délibération, nous avons également l'acquisition d'une parcelle à la SPL. Cette fois-ci, c'est dans le cadre du regroupement des services de la ville et de l'agglo, donc sur le quartier de Saint-Martin, qui donnera une certaine cohérence. Donc ça avait déjà été acquis il y a plus de 2 ans pour l'agglo et la ville. On y amène aussi nos services pour travailler en collaboration. Et là, ce qui vous est proposé, c'est d'acquérir une parcelle d'environ 4000 m² qui servira de parking à nos collaborateurs, à la fois les nouveaux collaborateurs transférés, mais également les collaborateurs qui travaillent déjà sur les équipements de services publics de Saint-Martin. Donc il est proposé de l'acquérir sur un tarif de 195 000 euros. Et l'idée, c'est que le parking, aujourd'hui, vous avez une proposition de principe. Il y a eu des éléments évoqués en commission qui, bien évidemment, seront ajoutés au dossier lors de l'étude. Mais on peut déjà dire que l'idée, c'est de rajouter des box vélos et de rajouter des bornes de recharge électrique. Aujourd'hui, la ville a des véhicules électriques. Il faut savoir que dans les locaux qui se trouvent avenue de Gournier, il n'y a pas de borne de charge rapide. On charge avec des prises électriques normales. Merci beaucoup. Avez-vous des questions? Oui, M. Milazzo. Alors, l'acquisition des terrains à la SPL nous semble faire partie d'une opération de secours pour épurer les dettes de la SPL. À quel moment va être faite la remise à plat de sa situation financière? Et alors, pensez-vous que le rôle de la ville soit et de ses contribuables soit d'engager certaines, d'épurer certaines erreurs de gestion par le passé? Et après, donc pour revenir vraiment sur le projet de parking, serait-il possible d'envisager un projet autre qu'un parking? On penserait par exemple à un projet qui pourrait servir à la collectivité, puisqu'il y a aussi une parcelle qui est libre de l'autre côté de la rue. Et donc ça pourrait être par exemple le multiplex que vous aviez évoqué, un parc ou un espace vert, plutôt qu'un parking.
parce que je n'ai pas fini. Juste parce que donc vous avez évoqué dans la presse et peut-être lors des derniers conseils municipaux que les parkings donc du coup maintenant avec les nouvelles normes de barrières, du coup les parkings n'étaient pas utilisés, donc étaient quand même, il y avait des rotations importantes, donc les parkings étaient libres et le parking de Saint-Martin pourrait aussi suffire aux agents de la ville qui viennent travailler là. Avez-vous d'autres questions ? Non ? À préciser, oui, vous avez toujours raison, Marianne. Le retour de Madame Patricia Brunel-Maillet. Je vais laisser la parole à Éric Philippot concernant votre première interpellation. Et après, je vous répondrai sur les autres questions. D'accord ? Bon. Éric, c'est à vous. Ouais, bonsoir. Juste pour répondre de manière assez factuelle sur vos premières interrogations, vos premiers questionnements. Ces terrains ont une vraie valeur marchande. Hein. Donc la SPL n'est pas obligée ou n'est pas en besoin de les céder à la ville ou à l'agglo pour se renflouer comme vous le supposez. Il y a un besoin qui est réel, qui a été mis par les services, et c'est dans ce cadre-là que se fait la transaction. Mais la SPL aurait tout loisir de céder ses terrains à un constructeur qui ferait une opération immobilière. Donc il n'y a pas du tout de recherche de performance économique là-dessus. Par contre, je vous rejoins sur je dirais pas les fautes de gestion, mais les approximations de gestion passées. Donc on s'engage et on s'échine tous les jours à justement remonter la pente et les résultats se font sentir. En tout cas, sont prometteurs. Je vous en ferai la démonstration lors d'un autre conseil. Mais voilà, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, ce n'est pas une opération qui est destinée à ramener de l'argent à l'ESPEL. C'est vraiment simplement un besoin et ce terrain-là aurait pu être acquis à n'importe qui dans les mêmes conditions. Ce qui fait une très bonne transition, merci M. Philippot, sur le parking et la volonté de la municipalité. Pour vous donner une temporalité, nous espérons pouvoir faire cet aménagement pour le premier semestre, au maximum à la fin du premier semestre de l'année prochaine. Pourquoi cet aménagement ? Premièrement, un petit point de complément avec Laurent. Ce parking, nous avons vocation à être désimperméabilisé. C'est-à-dire que l'ensemble des places de parking vont être désimperméabilisées. La seule chose que nous allons garder, c'est la voirie d'accès directement et au sein du parking. Donc, une réelle volonté aussi d'herborer directement. Vous avez précisé les vélos. Il y aura aussi vélos, recharge à vélo électrique, bornes électriques, pour pouvoir aller dans cette bonne logique. Il y a aussi une réelle volonté politique. C'est-à-dire que nous faisons le choix et nous l'assumons, et j'en remercie la direction générale qui a su mettre ceci en place, c'est de rapatrier nos agents qui étaient en périphérie, et plus particulièrement à Gournier. Pourquoi ? Parce que c'est une volonté. Quand vous arrivez à faire revenir 80 de vos agents et que vous les mettez dans des conditions de bâtiment qui sont de bonne qualité, c'est-à-dire que là où il ne fait pas froid l'hiver et là où il ne fait pas chaud l'été, inutilement dedans, bien vous leur améliorez leurs conditions de travail. Quand vous rajoutez l'ensemble des services et que vous pouvez les remettre en connexion, c'est-à-dire que quand j'ai mon service de ma voirie qui est en rapport avec la ville et avec l'agglo, ils ne soient pas les deux séparés, qu'ils puissent être au même endroit pour pouvoir travailler et augmenter l'efficience que nous devons à nos administrés. Quand nous parlons des administrés, c'est aussi le fait qu'ils puissent se déplacer à un seul et unique lieu pour pouvoir faire leur démarche administrative. Et ceci, c'est important, parce que vous augmentez l'efficacité administrative pour vos administrés, vous permettez aussi à vos agents de travailler dans de meilleures conditions, c'est-à-dire matérielles, mais aussi d'un point de vue pratique, d'avoir les collègues qui vous suffisent, ou dans le même bâtiment, au même niveau, ou dans le bâtiment qui est juste à côté. Ça nous permet aussi, et ça c'est important, c'est de leur améliorer leurs conditions de travail, c'est-à-dire d'avoir des vraies salles de repos, de pouvoir demain pour travailler. C'est aussi une réelle volonté, c'est de permettre de faire venir des administrés à cet endroit. C'est-à-dire que vous voyez tout d'un coup la cohérence de notre volonté de réhabiliter le haut de la rue Pierre-Julien. C'est parce que nous restons persuadés que quand vous avez une cité administrative qui est à Saint-Martin, vous allez faire venir du flux administratif, c'est-à-dire des gens qui viennent faire votre démarche administrative, quelqu'un qui veut déposer son permis de construire. Eh bien, je préfère qu'ils se donnent l'idée d'aller manger en centre-ville de Montélimar ou d'aller sur nos allées plutôt que de rester à l'extérieur et de se dire qu'il rentre chez lui. S'il va manger dans un restaurant en zone sud, ça me va très bien, mais quand il est à l'extérieur, ils ont potentiellement plus vocation à rentrer chez eux. Donc il y a une réelle volonté politique derrière cet acte. Et quand vous les demandez aux agents de venir, de se déplacer, et on a pu voir, c'est des questions de méthode. Sur l'ancienne mandature, il y a eu un souci avec le service d'urbanisme. Là, nous avons mis notre méthode, et j'en remercie Guy Januel et Nicolas Méhou, mais aussi les chefs de service, pour améliorer cela, pour permettre non pas à un seul service, mais à beaucoup plus de services, de se déplacer et d'aller dans cette vocation-là. Donc oui, Monsieur Milazzo, vous avez raison de préciser que nos investissements de 800 000 euros pour les parkings portent leurs fruits,
mais nous avons fait des promesses électorales et nous continuons à les maintenir. C'est-à-dire que nous avons aussi une vocation à permettre aux habitants de notre centre-ville, mais aussi aux acteurs de ce centre-ville, que sont les employés des commerces, les commerçants indépendants, les professions libérales, de pouvoir bénéficier de solutions d'abonnement. Et pour cela, nous avons clairement envie, et nous le ferons, c'est ce que nous nous sommes engagés, c'est d'identifier les places de parking qui peuvent être disponibles et sécurisées pour pouvoir le mettre. C'est-à-dire que quand vous avez le parking Chabot et que vous avez le parking de la Porte Saint-Martin, ce sont deux axes de parking qui se retrouvent à l'opposé de notre centre-ville, mais qui vous permettent d'être en cœur de ville en moins de 3 minutes. Donc oui, nous libérerons des places qui sont aujourd'hui occupées par des agents, M. Milazzo, qui seront spécifiquement sur ce parking pour eux, ce qui va libérer des places au parking Saint-Martin et qui demain nous permettront de mettre à disposition des places à tarif préférentiel pour les acteurs du centre-ville, pour les habitants de notre centre-ville. Et demain, ça va dans notre volonté de redynamiser le centre-ville. Parce que si nous mettons aussi des alternatives aux moyens de transport doux, il y a aussi toujours besoin d'utiliser sa voiture pour une partie de notre population. Il faut penser également à ceci. Voilà. Avez-vous des questions? Oui, allez-y, M. Roissac. Simplement, voilà, si j'ai bien compris, votre volonté politique, ça a été de regrouper les services au niveau de ceux qui habitent, qui travaillaient là-bas sur Gournier, et vous les rapatriez à Saint-Martin. Ce parking, il va être uniquement accessible par les employés et par les agents. Oui. Et moi, se pose la question de l'équité au niveau du traitement de vos employés. Ceux qui travaillent sur la mairie ici centrale et sur la mairie annexe n'ont pas la possibilité de pouvoir se garer sur des parkings qui sont destinés pour eux. Et là, vous allez avoir des employés qui vont avoir un parking spécifique pour eux. Voilà. Vous avez raison, j'aurais dû préciser que c'est bien un parking qui sera pour tous nos agents de la collectivité, ville et agglo. C'est-à-dire que je considère que quand vous êtes à la mairie annexe, vous vous trouvez à 5 minutes à pied de pouvoir y accéder, vous pourrez vous garer là-bas directement avec un système de badge qui vous permettra de mettre votre voiture ici. D'accord. Tout comme s'ils décident d'eux-mêmes d'aller se garer sur le parking qui a été créé au square route de Djolfi, ils y ont tout à fait le droit. C'est un parking qui est public, mais qui le permet. C'est une réelle volonté. Vous savez, quand vous permettez de libérer de la place pour le commerce, c'est du chalon et c'est du commerçant, du client qui peut revenir en centre-ville. C'est une réelle volonté. Et quand vous me parlez, vous avez raison, de l'équité au niveau de nos agents, mairie annexe. Dans les investissements, je vous parlais des étaux qui tenaient le plancher. On a réparé ça, mais on a aussi surtout pensé à leur faire une salle de repos. Parce qu'ils n'en avaient pas. Donc oui, il y a une réelle volonté d'équité, de pouvoir les mettre à tout un chacun. Et je dois vous avouer, et je l'assume tout à fait, si je dois avoir des agents qui viennent travailler en mairie de Montélimar, centrale ou annexe, et soient obligés de passer par Place du Marché, rue Pierre-Julien, eh bien, je serai tout à fait satisfait qu'il y ait de la vie dans notre centre-ville et que ça aille dans ce type de dynamique. Tout comme, je l'avoue, il y aura une réelle volonté de permettre de faire des flux de circulation en fin de journée piétonne, du point de vue de nos commerçants et de nos acteurs, pour se rediriger vers la Porte Saint-Martin pour le parking. Parce que quand vous avez un certain nombre d'abonnements qui vont pouvoir être libérés pour aller au parking Saint-Martin, eh bien, il y a un certain nombre de personnes qui vont pouvoir se décaler. Question toute bête, cet après-midi, je vous disais que j'étais avec La Poste. Je suis déjà en train de brancher la poste pour qu'ils puissent mettre auprès de leurs agents un système d'abonnement qui soit pris en partie par l'employeur. Parce que la poste a un dispositif où 50% de l'abonnement peut être pris en charge. Voilà, c'est une réelle volonté. Je veux dire, le parking nous permet demain de refaire venir de l'activité. Aujourd'hui, plus personne ne peut vous dire qu'il n'a pas de place en centre-ville pour venir faire ses courses. C'est un fait. C'est un fait. Aujourd'hui, vous pouvez venir. On le voit au nombre de la rotation. Je me suis engagé de vous donner les chiffres sur un an. Si vous le souhaitez, je pourrais vous les donner peut-être au bout d'un semestre, mais pour que ça soit le plus éloquent. Si aujourd'hui, j'arrive et que je vous explique qu'on a plus 50%. Oui, c'est vrai, mais attendons de voir. Laissons prendre des habitudes aux gens qui puissent le prendre. Je pense par exemple au parking à l'Érac, où vous avez 76% d'augmentation de disponibilité de place. C'est un vrai chiffre, mais ce que j'attends, c'est que les gens prennent l'habitude d'aller se garer là. Et vous comprenez pourquoi vous avez voté à l'unanimité, et je vous en remercie, les travaux de la rue Roger Poyol. Un parking, une rue qui est redynamisée, c'est une ville qui va de l'avant. Et c'est clairement notre volonté, c'est d'aller de l'avant. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous... excusez-moi, allez-y. Juste la deuxième remarque que l'on voulait faire, c'est que construire un parking à proximité d'un parking déjà existant, voilà, c'est pas commun. Et en même temps, on sait que ce parking Saint-Martin... il n'est jamais plein, il y a toujours de la place disponible. On se posait la question, est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux
de pouvoir offrir aux personnes qui vont travailler à Septan et Occitan d'avoir une place de parking dédiée dans ce parking Saint-Martin. Voilà. Je vous prie de m'excuser, je ne connais pas le chiffre précis, mais je crois que de mémoire, c'est 300 le nombre de places que vous avez à Porte Saint-Martin, ou à quelque chose près le parking souterrain. Je demanderai au service de me confirmer. 350. Si j'en enlève tout de suite un tiers directement, à minima que pour mes agents, c'est dommage dans notre volonté d'imaginer que des gens peuvent laisser leur voiture en abonnement dessus. C'est une réelle volonté d'aspirer des personnes nouvelles pour venir se garer là. C'est-à-dire que la volonté, elle est aussi de permettre à nos agents qui se garent aujourd'hui, et je pense à tous nos administrés qui sont dans les rues adjacentes. Prenez le boulevard du Pêcher, il suffit de vous promener, je vous invite si vous souhaitez un matin, venez vers 8h, il n'y a pas que des gens qui vont à l'école du Bouquet, il y a des agents qui sont en train de se garer et qui sont en train de rentrer à la MSP aujourd'hui. Parce que nos agents, eh ben, ils ont l'abonnement, ils n'ont pas forcément envie de payer cet abonnement pour aller au parking souterrain, donc ils ne se garent pas dans le parking. C'est-à-dire qu'ils se garent en périphérie, ce qui enlève des places disponibles pour les habitants ou pour des clients potentiels du centre-ville. Donc c'est une réelle volonté, c'est de permettre de libérer ce flux pour demain avoir des habitants qui puissent prendre un abonnement à ce parking, de permettre à ce parking, et j'en remercie Sylvie sur cette volonté, de pouvoir l'ouvrir sur des heures beaucoup plus larges avec des passes. C'est-à-dire que, imaginez qu'un parking soit fermé avant 22h quand vous voulez aller manger dans un restaurant en plein été, ça me paraît être un problème quand même. Donc on puisse vraiment l'accentuer. Qu'il y ait une visibilité qui soit meilleure aussi au niveau de ce parking. Nous sommes en train de regarder sur la signalétique pour permettre à des véhicules de ne pas forcément faire le tour de tout le centre-ville et qu'ils soient réappropriés. C'est la moindre mesure que nous pouvons faire. C'est vrai que la question, et vous avez raison de la soulever, de l'occupation de ce parking, c'est vrai que c'est dommage, et les choses sont celles qu'elles sont. Je ne vais pas mettre plus d'un million d'euros pour faire ce qui aurait dû être fait dès le début, c'est-à-dire faire la porte d'entrée dans le flux de circulation. C'est-à-dire que je vous fais juste un exemple. Quand vous venez de la route de Valence et que vous rentrez en centre de Montémar, il faut tourner 3 fois à droite. Ça ne me dérange pas de tourner à droite, ça va. Mais 3 fois à droite pour rentrer dans le parking, c'est quand même pas le truc le plus cohérent. Visualisez, vous venez de Valence, vous êtes un touriste, vous voulez vous garer au parking. Vous êtes obligé de tourner. À droite, après au rond-point, encore à droite. Au fond, là, il faut retrouver le parking. On a mis un signal maintenant qui le montre. Vous retournez à droite. Vous rentrez dedans, et une fois que vous rentrez dedans, vous êtes obligé de revenir au milieu, de remonter, de reprendre à droite, encore une fois, et de redescendre les marches d'escalier. Bon, voilà, vous avez compris. C'est un fait. On ne va pas remettre de l'argent dans ce parking qui est encore dans nos dettes et on va essayer d'aller de l'avant. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ? Oui, juste allez-y. Un peu plus de précision. Ce parking, donc, il va être dédié pour les employés et les agents. Ça veut dire que le soir, il va être libre et va être vide. Personne ne pourra y accéder en dehors du temps de travail des agents. Oui, tout à fait. Vous avez bien compris. Non, il y aura le stockage des véhicules municipaux. Oui, pour votre réponse, il n'y aura pas autre chose que des véhicules de nos collectivités. Oui. C'est-à-dire que les véhicules où on va remettre les recharges électriques, rapides ou pas, elles seront ici pour être stockées. Clairement, c'est ça. Ça ne sera pas ouvert à la population après. Voilà. Oui, il y a beaucoup de véhicules de service à Gournier. Donc, ils vont être garés là le soir. Les agents posent leur voiture le matin, ils travaillent avec les véhicules de service. Le soir, ils reposeront les véhicules de service, ils repartiront avec leur véhicule personnel, ou à vélo, ou à pied, peu importe. D'accord. Alors, il n'y aura pas de grillage, donc ça veut dire que ce seront des véhicules qui seront quand même... Non, c'est un parking qui sera fermé. Hein. Il sera sécurisé. On ne va pas laisser nos véhicules de la collectivité comme ça. Hein. Ils seront sécurisés, il n'y a pas de souci. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à la majorité. Merci beaucoup. Délibération 3.07. Monsieur Chaud, c'est encore vous. Donc sur cette délibération, nous faisons face à une vente sur laquelle nous avons eu une proposition de préemption sur un espace réservé du PLU au nord du stade Troupenas. Donc on a les plans en annexe pour le visualiser. La mairie est déjà propriétaire du parking et de certains tenements. Et il y avait un espace réservé pour potentiellement faire une voirie. Donc, plutôt que d'acquérir le bien complet, puisqu'ils vendaient toute la propriété familiale, il aura été proposé une négociation. Et aujourd'hui, il en ressort de faire quelques travaux pour un montant d'environ 70 000 euros. Et qu'en retour, il nous cède environ 1 000 m², puisque ce sera à Borné. La parcelle n'étant pas encore bornée aujourd'hui, mais environ 1 000 m² pour que nous, on puisse plus tard réaliser la voirie s'il y a besoin. Et particularité, c'est que je continue
à négocier avec les consorts chambonnières la dernière parcelle, puisque tout était familial, qui est là où il y a la boulangerie. Et une précision, une dernière, si on n'avait pas réagi à la préemption ou à la négociation, cet espace réservé disparaissait du PLU. Donc, en termes de vision et de méthode, on était obligé de réagir. Je ne sais pas si vous avez des questions. Allez-y, Madame Gillet. Alors, en fait, on ne comprend pas vraiment l'intérêt aujourd'hui de ce projet de route qui passe entre le parking et le stade, qui est actuellement réservé au stationnement pour les bus des équipes. Donc, en fait, ça va aussi séparer l'accès aux tribunes pour les sportifs, si je comprends bien. Et en fait, on ne trouve pas que ce soit une priorité aujourd'hui, et d'autant que la piscine à Loa est amenée à disparaître. Donc après, qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là? Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir une nouvelle route ici? Voilà. Dans votre remarque, vous avez donné un élément qui est important aujourd'hui, clairement. Et c'est là où je remercie l'un de mes prédécesseurs qui a eu cette bienveillance de penser à mettre une réserve. Parce qu'aujourd'hui, vous avez raison, vous vous posez la question, mais à juste titre, et je vous en remercie aussi, vous parlez du projet de la piscine à Loa qui peut avoir vocation à partir autre part. Et donc, il y aura une réflexion globale de cet ensemble, de qu'est-ce que nous faisons. Le tennis a aussi vocation éventuellement à partir de cet endroit-là. Il y aura donc une vocation claire à réfléchir sur l'ensemble. Tout à l'heure, vous me parliez, l'une de vos collègues, du plan de déplacement. Si on veut demain réfléchir à pouvoir créer des perpendiculaires sur l'axe de la route de Marseille, la route de Saint-Paul-Trois-Châteaux, pour ne pas forcer le flux forcément jusqu'au rond-point de l'abbé Pierre, qui à mon avis est sous-dimensionné. De façon générale, on parlait tout à l'heure de chemin des Grèzes avec 15 000 véhicules. Quand vous voyez la taille du véhicule, la place des passages piétons, il y aura une vraie question qui va se poser. Car la vision, et c'est là où je reviens sur votre remarque d'aujourd'hui, et ce que moi et l'ensemble de l'équipe municipale souhaitons, c'est demain. C'est regarder qu'est-ce que nous pourrons faire s'il doit être créé une route perpendiculaire, si elle doit être voiture, si elle doit être piétonnière, si elle doit être cyclable, si elle doit être les trois à la fois, clairement. Mais il faut se laisser les capacités. Sinon, après, vous arrivez sur le « Ah, c'est dommage, on aurait dû y penser ». Voilà. Ben, notre volonté, c'est de pouvoir se donner les moyens demain de réfléchir à cela. On voit bien qu'il y a un souci au niveau de notre ville d'équilibrage entre l'ouest et l'est. Il faut penser à ce type de diagonale. Si vous ne le faites pas, vous retrouvez tout de suite avec une circulation qui est importante. Pour donner un exemple, chemin des Fourches. Je suis partisan qu'on ait une réflexion de savoir passer au-dessus du chemin de fer, ça sera une réelle problématique à réfléchir sur les 10 prochaines années, clairement, comment on peut passer au-delà du chemin de fer. Si vous n'avez que chemin des Grèzes, ça vous fait un problème. Donc, c'est là où il faut qu'on réfléchisse la ville, non pas de 2022, mais réfléchir comment on peut être en 2035 avec une augmentation de la population. Parce que nous allons arriver sur notre agglomération, et c'est là où c'est important, c'est aussi de l'agglomération. On se rend bien compte, avec les différentes études que nous faisons aujourd'hui, que nous avons un flux qui n'est pas que montilien. Et nous avons des conséquences. Tout à l'heure, je vous faisais un petit point sur GGL et le quartier Maubec. L'augmentation du quartier Maubec, c'est quand même, il faut le mettre, si on doit mettre l'illustrer, 6 000 habitants, c'est comme si on avait créé la deuxième ville de l'agglo. Pour Ennissé, Châteauneuf et Montboucher, ça vous fait une commune comme ce que nous, on est en train de créer, du moins ce qui a été programmé dans la ZAC d'une deuxième ville. Donc, ça a des flux de circulation qui sont importantes. Vous parlez, à juste titre, je me rappelle, certains candidats au départemental parlaient de l'accès pour le collège de Monod. Ils ont tout à fait raison. Il peut être intéressant, peut-être, de ne pas faire redescendre tous les cyclistes, de passer par chemin des Fourches, de réfléchir à un système de cyclable à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il y a le parking qui se trouve à Tropnaz. Rien ne nous empêche demain, si la piscine à Loa n'est plus là, de faire l'accès pour les bus de ce côté-là. Tout me laisse à penser que des sportifs qui doivent retourner dans leur vestiaire seront en capacité de faire 150 mètres à pied pour aller jusqu'à la tribune et qu'il n'ait pas besoin du parking. Il y a juste un point qui est réglementaire, qui est l'accès du bus pour l'équipe visiteuse, pour vous montrer quand même qu'on a un peu réfléchi, où il faut créer un sas spécifique pour ce bus. Et vous pourrez regarder, et tout le monde n'a pas la même vocation que l'équipe municipale actuelle, la vision. C'était un, vous verrez qu'il y a une maison qui a été construite, qui est là et qui a été revendue il y a peu. Si il y avait eu à l'époque une municipalité qui avait pensé à faire une réserve, c'était peut-être pour réfléchir demain à ce type de tronçon. Donc voilà, pour le sas du bus, nous aurons la place techniquement, si vous, ça rentre trop dans les détails, mais si vous voyez le portail actuel, le poteau lumineux qu'il y a aujourd'hui, où nous devons réfléchir à sa place, la place pour pouvoir faire ce type de sas du bus. Voilà.
Monsieur Bentine. Et la maison qui est au milieu ? C'est précisément ce que je vous dis, quand je vous parle que certains ont revendu des biens immobiliers là où il aurait fallu avoir une réflexion. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans la situation de pouvoir se projeter. Nous n'avons pas de procédure d'expropriation ou quelque chose, mais il est plus simple de réfléchir à l'ensemble de la parcelle qui se trouve derrière et non pas que de cette maison-là. C'est-à-dire que si demain vous étiez dans une zone constructible et que le lotisseur décidait de faire des choses, eh bien, ça vous forçait à avoir, et ça fait écho à ce que me disait M. Roissac tout à l'heure, chemin des Grèzes. Je comprends, mais si vous avez ce projet, vous en avez parlé aux habitants de cette maison ? Je suis en train de vous dire, je suis en train de donner les possibilités à notre ville et non pas à Julien Cornier, maire de Montélimar, aujourd'hui en 2021. Je suis en train de penser à l'avenir de notre ville. Est-ce qu'il faut avoir ce terrain pour demain réfléchir et éventuellement considérer au sein du conseil municipal qu'il y a du sens à créer ce nouveau barreau ? Je l'ai pas promis et c'est pas prévu d'être fait avant 2026. Mais on ne peut pas se permettre de regarder juste à un an. Donc je ne vais pas exproprier quelqu'un le temps que ça n'a pas été acté. Je ne sais pas, peut-être que ce barreau aura du sens en 2035. Je ne sais pas. Peut-être que ça sera avant 2035. Ben, peut-être qu'entre-temps, comme vous le dites très justement, ce monsieur qui a acheté cette maison auprès de la ville, qui a fait des travaux dedans, peut-être que demain, il a vocation à partir. Je ne sais pas, moi, je ne le connais pas à titre personnel. Et ben, peut-être qu'à ce moment-là... Moi, je le connais. Voilà. Et ils ne sont pas au courant, c'est pour ça. Non, mais c'est parce qu'il n'y a pas vocation à les exproprier, ce que je veux dire. Et c'est juste donner. Si vous prenez, si vous le connaissez, que vous connaissez sa maison, vous voyez bien la proportion. On vous parle de 1000 mètres carrés et la maison est un peu plus petite. Donc aujourd'hui, on n'a pas vocation à exproprier qui que ce soit, mais la maîtrise foncière, c'est de la responsabilité d'une collectivité. Ça fait écho à notre dernier conseil d'agglomération où on expliquait pourquoi il nous paraissait important de mettre 1 million pour pouvoir acheter les terrains pour demain permettre à la collectivité de faire les bons investissements. Voilà. Oui. Pour donner une idée, 70 000, l'équivalent de travaux, 70 000 euros pour un terrain qui est en plein centre-ville. Je remercie Laurent Chauveau qui a mené ce dialogue et je remercie aussi les consorts Chambonnière qui n'étaient pas obligés de se retrouver dans cette situation de proposer cet accord que nous vous proposons aujourd'hui. Et nous aurions pu être dans l'obligation de préempter la totalité de la vente de leur terrain et donc, à partir de ce moment-là, de sortir de l'argent. Et ça fait quoi à vos propos, M. Roissac, la dernière fois ? Ça n'aurait pas été juste un jeu de trésorerie cette fois. On aurait été vraiment obligés de sortir cet argent pour une propriété dont nous n'avions pas besoin. Donc je les remercie d'avoir accepté. Je remercie Laurent Chauveau et les services d'avoir pu faire cette négociation. Juste pour préciser, on réagit, comme je l'expliquais, à une vente qui se fait entre membres de la famille. Et si on n'avait pas soit tout préempté, soit eux annuler leur vente, soit nous trouver un point de négociation... la zone réservée aurait disparu et on n'aurait plus un moyen de préempter plus tard. Mais aujourd'hui, on n'a aucun projet. Sinon, il aurait été présenté et on aurait fait une réunion de quartier comme on le fait jusqu'ici. Pourquoi on parle de route ? Qu'on achète, c'est une chose, mais pourquoi parler d'une route ? Parce que la réserve a cette vocation dans le PLU. C'est un point de vue technique. Le préempter pour dire que vous pouvez racheter un bout de terrain, c'est pour qu'il y ait un intérêt qui soit mis directement dedans. Je préfère vous dire ça que juste vous dire non, on préempte parce que mon prédécesseur il y a 30 ans avait mis une réserve et s'il avait fait, il devait bien avoir une bonne raison. La vraie bonne raison, c'est qu'il faut se donner les moyens demain de se permettre cela. Je vous donne un exemple, le deuxième pont sur le Roubion où tout d'un coup vous permettez la construction de la CAF et vous rendez compte qu'après vous ne pouvez plus faire le pont. Voilà, c'est un exemple concret que l'on ne veut pas rééditer sur notre mandature et permettre aux prochains élus et représentants de la ville de Montélimar de pouvoir avoir les disponibilités d'avoir des projets et d'absorber le trafic. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à la majorité. Je vous remercie. Madame Cabane, délibération 4.0. Bonsoir. Donc, délibération 4.0 et 4.01, c'est la répartition intercommunale des charges scolaires dans le premier degré d'enseignement pour les classes ULIS pour l'année scolaire 2020-2021. Donc la 4.0, c'est pour la classe d'Ulysse 4 de Montélimar, qui accueille donc à l'école publique élémentaire de Margerie un enfant domicilié dans la commune de Poitlaval. La commune de résidence se doit de participer aux charges supportées par la commune d'accueil. Il est donc demandé pour l'année scolaire 2020-2021 une somme totale de 813,30 € à la commune de Poitlaval. Avez-vous des questions sur la délibération 4.0 ? Non, je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Madame Cabane, c'est encore à vous. Donc la 4.01,
Donc, c'est la ville de Valence qui accueille dans l'une de ses écoles primaires deux enfants domiciliés à Montélimar, qui sont donc scolarisés dans leur classe Ulysse. Il est donc pareillement demandé à la commune de Montélimar de participer aux dépenses pour l'année scolaire 2020-2021 pour une somme totale de 938 euros. Avez-vous des questions ? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Je précise à travers ces deux délibérations que nous venons de faire, et je remercie Madame Cabanne qui m'avait fait un point précis sur ceci, sur les classes Ulysse. Nous avons une certaine déviance, semble-t-il, et nous aurons un œil attentif avec l'ensemble des directeurs d'école, sur les élèves qui sont dans les classes Ulysse et ne pas se retrouver dans des classes Ulysse où on a tendance à mettre des élèves qui mériteraient d'être à l'IME. C'est-à-dire que c'est particulièrement important. Nous avons deux types d'élèves qui ont besoin d'un accompagnement particulier, mais ce n'est pas en mettant deux types de personnes qui ont besoin dans la même structure que vous permettez de faire un service satisfaisant auprès d'eux. Donc soyez rassurés par rapport à ce point. Et nous travaillerons avec les directeurs d'école pour avoir une vision, parce que c'est eux qui ont la pédagogie et qui voient les dossiers directement, pour bien garantir que les classes Ulysse soient à destination de nos élèves Ulysse, avec les moyens humains qui en sont nécessaires. Monsieur le maire. Oui, vous avez la parole. Allez-y, monsieur Lanfray. Juste un élément par rapport à ce que vous venez de dire. Vous avez raison. L'une des difficultés qu'on rencontre, c'est effectivement le nombre de places en Ulysse, le nombre de places en IME, j'irais même le nombre de places pour les adultes handicapés. Et vous pouvez aller jusqu'aux adultes handicapés vieillissants. Et donc, en fait, c'est toute la chaîne sur laquelle il y a des difficultés. Et je ne crois pas que ce soit un souci par rapport aux directeurs d'école qui, eux, font avec ce qu'on leur donne. Et ma foi, ils ne peuvent pas refuser un enfant qui n'aurait pas de solution ailleurs. Donc quand vous dites on va travailler avec les directeurs d'école, si je peux me permettre, je pense que le vrai travail doit être fait avec l'ARS. Il faut effectivement des places en nombre suffisant d'Ulysse, mais et y affecter les bons enfants. Mais encore faut-il qu'il y ait des places suffisantes en IME et y affecter les bons enfants. Encore faut-il que quand les enfants en IME passent 18 ans, ils puissent basculer sur des structures pour adultes handicapés. Et encore faut-il que quand les adultes handicapés deviennent trop vieillissants, ils puissent basculer sur des structures adaptées. Donc c'est bien l'ensemble de la chaîne qu'il faut envisager avec l'ARS, parce que prendre seulement le prix... Je sais que vous êtes que maire, donc vous ne gérez que les écoles primaires, mais pour autant, la problématique est plus générale. Je ne démords pas qu'avant la fin du mandat, vous puissiez comprendre ce que je dis. Ce que je suis en train de dire, avant la fin du mandat, vous puissiez comprendre ce que je dis. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est les directeurs d'école et la réorganisation que nous avons au sein des écoles que nous allons faire avec nos relais administratifs pour pouvoir nous alerter dans cette situation. Car oui, le maire que je suis, je ne peux pas connaître tous les élèves, je ne peux pas connaître tous les cas dans ce type d'école et je suis dans une volonté d'anticiper le potentiel problème. C'est-à-dire que vous avez raison sur le fait qu'il manque des places. Mais cela, il faut bien que je puisse avoir des relais et c'est réellement ma volonté de travailler avec les directeurs, avec Pauline Cabanne, dans cette volonté de main dans la main de travailler avec eux pour pouvoir être alerté à ce moment-là, pour aller voir l'ARS, pour aller voir l'éducation nationale. Pour preuve, la semaine prochaine, je suis avec la rectrice pour pouvoir réellement travailler. Mais j'allais dire, nous avons la chance d'avoir un dialogue franc et honnête avec les directeurs d'école qui sont en première ligne pour pouvoir nous le dire. Et donc, c'est pour ça que je parlais à ce niveau-là d'une collaboration à ce niveau. Voilà. Oui, monsieur Roissac, si vous le souhaitez. Oui, simplement, moi, je voulais vous remercier pour l'investissement personnel que vous mettez au niveau des écoles de Montélimar. C'est quelque chose d'inédit. Et en même temps, effectivement, cela fait 2-3 ans que nous constatons un glissement au niveau du recrutement dans les classes d'Ulysse. Les élèves qui intègrent ces classes-là ont des notifications multiples faites par la maison du handicap, la maison de l'autonomie. Et ces élèves-là ont notification pour aller à l'IME, pour aller dans un ITEP et pour aller en Ulysse. Et donc, ils vont dans les classes où il y a de la place. Voilà. C'est très bien. Monsieur Roissac, un maire n'est pas grand-chose sans son équipe municipale et ses services. Donc, je remercie Pauline Cabanne, bien évidemment, et l'ensemble de nos services qui travaillent dedans. Et vous verrez également qu'il y a une réelle volonté politique et administrative qui prendra forme à partir du 1er décembre avec notre nouvelle DGA et une restructuration de nos services, c'est-à-dire que nous avons fait un temps, nous avons des volontés, nous sommes à l'écoute et j'en remercie Ghislaine Savin et Sandrine Magnette au niveau des RH pour l'écoute qu'ils puissent mettre en place pour savoir tout un chacun l'évolution professionnelle au sein. C'est pour ça qu'il y aura une réelle réorganisation à ce niveau-là, mais aussi les différents travaux qui sont faits de façon plus en coordination avec
les représentants des directeurs d'école. Je vous propose maintenant de passer au relevé des décisions. Avez-vous des questions relatives aux décisions municipales ? Très bien. Je vous propose donc maintenant... Je vous propose donc maintenant de passer au compte rendu de l'audit du KPMG. Avez-vous des remarques ? Monsieur Roissac, c'est à vous. Alors, le groupe Plus Belle Ma Ville n'a pas eu encore le temps d'étudier l'audit dans sa totalité. Si vous le permettez, on pourrait le faire lors du prochain conseil municipal. Monsieur Lanvray ? Monsieur Faber ? Eh bien, si vous le souhaitez, je trouverai quand même, après me l'avoir demandé, les deux groupes à deux reprises d'affilée. Sans tous les éléments, semble-t-il. Néanmoins, nous allons donc passer au vœu. Et je réponds favorablement donc à votre demande. Il n'y a aucun souci. Quoi ? D'accord. J'aurais noté, oui, oui, vous avez raison, j'aurais noté la pique pour dire qu'eux travaillent, ce qui laisse supposer que vous, non. Mais bon, on ne change pas les natures. Que voulez-vous que je vous dise ? Donc, les vœux. Oui. Donc, vœux du conseil municipal sur le soutien à la demande des remplaçants des équipes éducatives dans les écoles de Montélimar. Pour qu'on soit bien d'accord, est-ce que tout le monde a lu les vœux ? C'est pour qu'on puisse faire le débat. Non, mais c'est pour pas qu'on me fasse de reproches sur le fait que je n'ai pas relu tous les vœux. Si tout le monde les a eus, est-ce que ça va ? Théo va bien ? Ben, Pauline Cabanne, tu vas quand même les lire. Au moins, comme ça, on ne pourra pas me dire que je ne les ai pas lus. Ben, je vais te les passer. Et Jean-Michel, tu liras celui de la police nationale. Donc, vœux du conseil municipal portant sur une demande d'effectifs supplémentaires au sein des services de... Ah ben j'ai la police. Ah ben non. Et on est d'accord, monsieur Roissac, l'école, c'est pas fait pour changer leur métier, donc on va lire les bons vœux. Hein. On recommence. Vœux du conseil municipal, soutien à la demande de remplacement des équipes éducatives dans les écoles de Montélimar. La municipalité est particulièrement vigilante quant aux moyens alloués aux écoles maternelles et élémentaires dans lesquelles sont scolarisés les jeunes montiliens. Le non-remplacement des enseignants absents, la pénurie des moyens alloués, notamment à la médecine scolaire, entraînant une situation préjudiciable pour l'apprentissage des enfants et une rupture dans la continuité du service public national d'éducation, particulièrement dans une ville qui compte trois quartiers prioritaires. Il est donc primordial d'assurer une scolarisation des enfants dans les meilleures conditions, ce qui nécessite que le service public de l'éducation nationale puisse pleinement remplir la mission confiée par l'État. Cela est d'autant nécessaire au regard de la crise que nous traversons et qui impacte notamment les catégories sociales les plus fragilisées. Prévoir et assurer le remplacement des enseignants et de l'équipe éducative relève de la responsabilité de l'éducation nationale et de l'inspecteur académique qui doivent garantir la continuité pédagogique assurée par le service public d'éducation. C'est pourquoi il est proposé au conseil municipal de décider d'apporter son soutien aux parents d'élèves, personnel de direction et d'enseignement et à leur action en faveur de l'égalité d'accès au droit à une éducation de qualité. De demander de procéder dans des délais raisonnables au remplacement des professeurs absents en maternelle et élémentaire et que des solutions pérennes de remplacement soient mises en place pour un service public d'éducation de qualité. De demander le maintien du service de la médecine scolaire sur l'ensemble du territoire permettant un égal accès à ces dispositifs. Avez-vous des remarques ? Oui, M. Roissac, c'est à vous. Si je peux me permettre, il manque... le fait qu'il y a deux postes de psychologues scolaires qui ne sont pas pourvus non plus sur la ville de Montélimar, 2/4. Donc c'est peut-être quelque chose à noter. J'ai eu des parents élus de la ville de Cléon-d'Andran suite à l'article qui est paru dans le Dauphiné Libéré, qui souhaitent aussi mener des actions parce que le problème n'est pas spécifiquement à Montélimar, mais il est sur tout le département et particulièrement dans le sud du département. Moi, ce que je souhaiterais, si possible, est-ce qu'on peut faire une copie de ce courrier à la rectrice et au préfet de la Drôme, de façon à ce que
tous les partenaires soient au courant de ce qui se passe au niveau du remplacement, du non-remplacement des enseignants. Et pour illustrer mon propos, il y a une enseignante du LIS qui est absente depuis 3 jours. Et depuis 3 jours, les enfants par alternance, puisqu'elle est sur les 2 classes du LIS, n'ont pas classe. Et pourtant, ce sont des enfants avec des besoins particuliers. Et on les laisse comme ça, en pâture. Est-ce que vous me permettez, monsieur le maire, de lire un document qui est paru dans Télérama le 9 novembre 2021 et qui titre « L'éducation ne sait plus quoi faire de son argent ». Et alors, si vous me garantissez que ce n'est pas 3 pages, ça va. Non, simplement. Donc le ministère a renoncé à dépenser 75 millions d'euros qui faisaient partie du budget alloué à l'éducation nationale pour 2021. Un comble alors que les besoins ne manquent pas. Le ministère de l'Éducation nationale aurait-il fait des économies à la faveur de la crise sanitaire ? Une chose est sûre, Jean-Michel Blanquer a renoncé à dépenser 75 millions d'euros qui faisaient pourtant partie du budget qui lui avait été alloué pour l'année 2021. À défaut d'avoir été consommé, cette somme calculée sur un total de 55 milliards d'euros, hors crédit du plan de relance, ne sera donc pas versée, comme le veut le projet de loi de finances rectificative présenté en Conseil des ministres le 3 novembre. Dans le public, cela correspond à une perte de plus de 15 millions d'euros pour le second degré et de 2,3 millions d'euros pour le premier degré. Raison invoquée, de moindres dépenses liées à la crise sanitaire. Mais pourquoi ne pas avoir puisé dans ces réserves pour renforcer les brigades d'enseignants remplaçant dans les zones déficitaires au moment où les équipes pédagogiques et les parents s'arrachaient les cheveux ? S'ajoute à ça 40 millions d'économies réalisées sur le programme « Vie de l'élève », lequel inclut la médecine scolaire, plus utile que jamais en ces temps de pandémie, et les actions en faveur de l'inclusion des élèves en situation de handicap, comme le recrutement et la rémunération des AESH, qui protestent depuis plusieurs mois contre la précarité de leurs conditions de travail. Voilà, ça illustre un petit peu le courrier que vous souhaitez adresser, que l'on souhaite à tous adresser. Oui, qui faisait écho. Pour répondre à vos questions, oui, j'en ferai part. Et si nous en sommes d'accord qu'il n'y a pas d'opposition, on précisera dans le vœu qu'il en a été fait copie donc, au préfet, comme vous nous l'avez proposé. Et vous voyez aussi la méthode, c'est que l'on puisse avoir ce vœu, et une fois qu'on a ce vœu, que je puisse aller voir la rectrice de Grenoble. C'est ça qui est important, c'est qu'on ait de la méthode qui soit mise. Sachez également, vous avez parlé d'autres communes de notre agglo. Nous avons parlé durant un bureau de l'exécutif de la nécessité de réfléchir sur la carte scolaire, non pas que communale, mais qu'on puisse voir les conséquences qu'il y a sur d'autres villages. Je vous donne un exemple très simple. Maubec a une particularité, c'est qu'il y a certaines personnes où c'est des logements relais, c'est-à-dire que vous achetez une parcelle quelque part, vous allez louer une maison au quartier Maubec, vous scolarisez vos enfants au niveau de Maubec et vocation peut-être à partir autre part. Ou vous avez d'autres soucis pour des raisons X ou Y, vous avez pris l'habitude de mettre votre enfant à l'école du Bouquet, vous déménagez, vous allez à Savasse, mais vous travaillez à Montémar, donc vous laissez votre enfant à l'école du Bouquet, ce qui nous fait des soucis d'effectifs. Mais surtout, et c'est là j'aurais dû donner plutôt l'exemple de Sauzet ou de Saint-Marcel-et-Sauzet, après j'ai les classes, et là c'est plutôt le président d'Aglo qui parle, mais j'ai les classes des villages qui ferment par défaut d'élèves. Donc c'est là où il y a, et vous avez raison de le préciser, une vocation de dézoomer, de voir beaucoup plus large et de voir la problématique sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire que ce n'est pas déshabiller Paul qui nous arrangera les choses. Voilà, s'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Vous avez une remarque ? Non, c'est bon, excusez-moi, j'ai cru que vous parliez. Eh bien, à l'unanimité. Merci beaucoup. Monsieur Goualard, je vous laisse lire le vœu suivant. Merci beaucoup. Messieurs, dames, bonsoir. Donc, je vais vous donner connaissance des vœux du Conseil municipal portant sur une demande d'effectifs supplémentaires au sein des services de la police nationale de Montélimar. Alors que notre ville se développe et accueille de nouveaux habitants, les capacités d'action de la police nationale dans la commune semblent se réduire. La carence notable des effectifs du commissariat de police, qui ne dispose pas à ce jour d'un commissaire à sa tête, en est un exemple concret. Or, il n'est pas vain de rappeler que la sécurité publique doit être assurée de jour comme de nuit sur une circonscription densément peuplée comme Montélimar, qui compte également 3 quartiers prioritaires. Dans ce contexte, le seul renforcement des effectifs de la police municipale ne peut répondre aux objectifs d'ordre public inscrits depuis plusieurs années dans le partenariat mis en œuvre dans la convention de coordination
entre la police nationale et la police municipale, bien que l'on puisse se féliciter aujourd'hui d'une totale et efficace collaboration entre les deux services. Les policiers municipaux se retrouvent trop souvent en première ligne pour faire face à une recrudescence de violences nocturnes notamment ou de violences intrafamiliales par manque de moyens alloués à la police nationale. Ce processus de réduction d'effectifs, ou du moins d'absence de renforcement humain, porte atteinte à la capacité des services de l'État à assurer sur notre territoire ses fonctions régaliennes. Or, l'État doit assumer pleinement sa mission en matière de maintien de l'ordre et de tranquillité publique, et ce, afin d'assurer la sécurité de nos concitoyens. En conséquence, il est proposé au Conseil municipal de demander solennellement à l'État et au ministre de l'Intérieur de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les effectifs actuels de la police nationale de la circonscription de Montélimar, afin que lui soient alloués les moyens nécessaires en matière de maintien de l'ordre et de sécurité publique pour les Montiliens. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Goualard. Avez-vous des questions ? Oui, M. Bentin, c'est à vous. Moi, c'est plus une intervention. Bon, d'ici là, qu'ils rajoutent des effectifs, ça va être un peu compliqué. Mais nous, au niveau de la ville, est-ce qu'on ne peut pas mettre en place plus de moyens humains pour compenser les caméras de M. Lanfray, pour avoir des médiateurs, des hommes qui seraient plus présents la nuit, quoi, pour prévenir un peu cette délinquance, tous ces problèmes qui permettraient d'éviter peut-être une augmentation de tous ces problèmes, parce que moi, je travaille en centre-ville et c'est vrai que c'est tous les jours, tous les soirs, surtout voilà, la rue 4 Alliances, il peut y avoir trois interventions en même temps sur la même rue, quoi, au même moment. J'aurais vu une ambulance, cinq voitures de police, il y avait trois problèmes en même temps. Si vous avez vu cinq voitures de police, M. Bentin, franchement, il faut m'appeler. Il y avait cinq. Il y avait la nationale. Non, et mais la parce municipale. Que je, franchement, je serais super ravi. Alors, nationale dire, et voilà. Municipale. Non. Non, mais c'est vrai. Plus sérieusement, vous avez raison sur la volonté. Eh bien, c'est ce qu'on vous a proposé tout à l'heure dans le débat d'orientation. C'est l'augmentation des moyens humains au niveau de la police municipale. Et je l'ai bien précisé, on est là en complémentarité. Et M. Goualard, à la lecture du vœu, l'a dit. Il y a une réelle belle complémentarité. Et j'en remercie notre police municipale, mais aussi la police nationale, qui est dans cette complémentarité. On le voit également sur le nombre d'interventions où on est appelé en premier directement parce que les gens savent qu'on est de proximité et que c'est beaucoup plus simple. Mais là, c'est un réel vœu. Vous parliez, par exemple, plus particulièrement de la nuit. C'est vrai qu'il y a une brigade de nuit, il y a une brigade. Ma réelle volonté, c'est que la police nationale soit sur des conditions d'avoir deux ou trois équipages. On m'avait bien expliqué, et j'aurai rendez-vous, c'est pour cela qu'elle veut aujourd'hui, parce que d'ici trois semaines, j'ai rendez-vous avec le DDSP pour parler clairement de cela. Il y a des attentes au niveau de la ville de Montélimar. Il y a des ratios à comparer entre la ville de Montélimar et Ancône, parce qu'on parle de circonscription, par rapport à d'autres communes où il y a un déficit. Et c'est pour cela que je ne souhaitais pas que ce vœu devienne polémique. Ça fait écho aussi à votre question de nommer le nombre de professeurs manquants ou de psychiatres, c'est psychologues scolaires. Je voulais faire un vœu vraiment sans aspérité pour pas qu'il y ait de chiffres dedans qui rentrent. Mais clairement, maintenant, pour échanger, il nous manque des moyens humains. Il faut, notre police nationale fait un bon travail. Faut-il encore qu'ils aient les moyens suffisants de pouvoir continuer ce travail ? C'est clairement ce que vous le dites. Donc, il y a une volonté d'augmenter les moyens humains de la police nationale qui permettra à la collectivité d'avoir de la police municipale sur des actions qui sont complémentaires et en complémentarité sur leurs actions. Il y a le moyen aussi d'avoir du dialogue. C'est là où, quand nous avons une volonté aussi dans les centres sociaux, c'est de désarmer le type de problème. C'est clairement là. Il y a aussi une responsabilité. Et vous aurez tout votre poids au sein du prochain conseil d'administration de la structure du bailleur d'agglomération. Parce que je viendrai vous demander en tant que président des médiateurs, parce qu'on ne peut pas avoir 2000 logements et pas mettre suffisamment de moyens. C'est-à-dire que oui, on sait que certains logements peuvent avoir des conséquences, sans en tirer de conclusion directe, mais on peut avoir de réelles volontés d'avoir de la médiation, de faire travailler tout le monde. Je parle de MAH, je parle de SDH, je parle de DAH. Clairement, les conseillers départementaux autour de cette table le savent déjà. Il y a une réelle demande de la part de la ville de Montélimar et de son agglomération que DAH assume aussi un rôle de médiateur au niveau de leur logement. Mais c'est une multitude d'actions qui fait que demain, ça aille dans le bon sens. C'est comme les investissements matériels où vous m'aviez posé la question. Quand il y a les multitudes, par exemple les motos, c'est encore une promesse électorale qui a été réalisée, mais c'est pour répondre réellement à des problématiques qui étaient flagrantes et dont on avait pu échanger. La Via Rona, où la police ne pouvait pas accéder parce qu'ils étaient en voiture. En moto, c'est beaucoup plus simple. En centre-ville, dans les rues
des petites rues. En voiture, c'est compliqué. En moto, c'est plus rapide. Et c'est encore plus rapide une fois que vous avez la caméra qui vous indique où vous pouvez aller pour intervenir. Voilà, c'est une multitude d'actions qui doit être faites. Et c'est aussi rappeler à l'État qu'on sait lire des chiffres. Un remplacement, ce n'est pas la création d'un poste. Voilà. Madame Dériot, je vous ai vu lever la main. Vous nous parlez de complémentarité, du coup, pourquoi pas faire les mêmes vœux au ministre de la Cohésion des Territoires, je crois, et de la Santé, en fait, sur, effectivement, la demande aussi de personnel dédié à la thématique sociale et... merde, j'ai perdu le mot. Enfin, pourquoi pas, en fait, faire la même demande que vous faites, merci, cohésion sociale, que vous faites, donc, en termes de demande de policiers, et avoir la même chose en matière sociale. Comme ça, là, au moins, on serait dans de la véritable complémentarité. Là, on a clairement l'impression qu'il y a véritablement un déséquilibre. Pour être très honnête, c'est parce que j'ai entendu le gouvernement actuel nous annoncer qu'ils allaient mettre des effectifs supplémentaires. J'ose croire que ce n'est pas juste une promesse électorale qui tomberait à bon escient à ce moment-là. Et je n'ai pas entendu le ministre de tutelle dont vous m'en parlez immédiatement. Je vous garantis que si j'arrive à lire dans le programme présidentiel du futur président de la République ou présidente de la République parler de ce type de dommages, je lui rappellerai à bon escient qu'il faut l'être. Après, vous inquiétez pas, on est toujours, et ça j'en remercie les services, tout à l'heure, nous en parlions, et pour faire écho au 012, qui mérite d'être vraiment traité sur les charges de personnel, remercier une nouvelle fois Mme Sylvie Maréchal, où nous avons passé un vrai dialogue avec la CAF pour avoir des postes qui soient financés. Il y a des vrais dispositifs qui méritent d'être faits. Je remercie M. Nuchot, par exemple, qui était venu dans les quartiers de Nocaz, Pracontal et en centre-ville, où on est en train de regarder pour des médiateurs soient financés. Il y a des dispositifs. Faut-il encore les vouloir pour pouvoir les faire? Je ne donnerai qu'un seul exemple. On a loupé, si je me trompe deux fois, l'ANRU. Ben oui, ça nous a fait du mal. C'était des volontés politiques ou par volonté de ne pas y répondre ou par incapacité peut-être de le faire. Mais on a loupé des coches. On ne les loupera pas si d'aventure il y avait de nouveaux dispositifs. Voilà. Avez-vous des remarques? Semble-t-il que non. Il n'y a pas de questions écrites non plus. Donc le prochain conseil municipal se réunira le mardi 14 décembre à 18h30 à l'hôtel de ville, dans cette même salle. Je n'exclus pas, excusez-moi, je n'ai pas fini, Madame Brunel-Maillet, je n'exclus pas que l'on puisse réfléchir à une mise en place des tables un peu différentes pour que vous soyez éventuellement un peu moins serrés. De toute façon, il faudra qu'on réfléchisse. La vision, c'est aussi réfléchir. On sera un certain nombre à partir de 2026. Donc, dans tous les cas, il faudra y réfléchir. Donc, ne soyez pas étonnés si la mise en place des tables change. Voilà. Je vous souhaite à tous. Quoi ? Non, non. J'ai toujours pas fini, Madame Brunel-Maillet. Ils ont vraiment du mal avec les règles. Hein. C'est pas très grave. Je vous souhaite néanmoins, même si vous me tournez le dos, une bonne soirée à tous et au prochain conseil.